Externe, coucou. Est-ce qu'il lag un petit peu? C'est pas grave, très bien. Et il devrait avoir de l'audio, oui. Donc on va le savoir dans pas longtemps quand il y aura des gens sur le Twitch. Ok. Benny nous rejoint, toi ? Hein ? Benny nous rejoint ? Parce que c'est l'un des gens qui est l'homme et que je sais pas. Oui, Fanny, elle est à côté, mais elle a coupé son micro pour pas que ça fasse des Larson. C'est l'offre de mais c'est pas de savoir qui est qui, en fait. C'est ça. Et on avait encore Dieu qui nous a rejoint, qui est un mec qui a suivi jusque-là. Et puis, bon, pour l'instant, il n'est pas avec nous, mais peut-être qu'il nous rejoindra après, je pense. D'accord. Donc, il est en ligne. D'accord. Ok. Ok, donc pour ceux qui débarquent, qui savent pas qui on est et qui se demandent pourquoi on fait un talk sur Twitch, du coup, on est une association qui s'appelle Les Enfants de MacGyver. On est en train de reproduire une Stargate grandeur nature, donc Stargate Porte des Étoiles de la série Stargate SG-1. Et aujourd'hui, comme on est une association, on fait notre assemblée générale, c'est-à-dire qu'on fait un peu le point, qu'on élit un nouveau comité pour cette année. C'est un peu de l'administratif, tout en étant un moment où on peut faire le point et discuter avec notre public si des gens veulent nous rejoindre. Donc faut pas hésiter à poser des questions sur ce qu'on raconte, etc. Moi j'ai le chat sous les yeux, donc normalement vous pouvez y aller. Et puis cette AG elle se passe en deux parties. En théorie, là pendant 2 heures à peu près, on va essayer de faire le bilan de cette année et réfléchir par rapport à vraiment l'infrastructure de l'association. Puis ensuite, vers 20h, on passera à une deuxième étape qui sera en fait parler de la suite des travaux avec la Stargate, tout ça, en fait toute l'organisation par rapport au futur. Et faire plus une réunion d'équipe, mais qui a pas forcément à voir avec l'Assemblée Générale. Donc on va le faire en deux temps. En théorie, en tant que membre, on va rester du début à la fin, et on verra comment ça va se passer. Comme cette année, j'ai eu peu le temps de m'en occuper, j'ai pas pris de notes, j'ai rien de prévu, préparé vraiment. Donc on verra, on va passer à travers l'ordre du jour, et si on veut rajouter des choses, même au fur et à mesure, on verra. Donc... premièrement, il faut que je déclare l'assemblée générale ouverte. Il est 18h13. Voilà. Donc on a à peu près un quart d'heure de retard, ça va. Comme d'habitude. Je crois qu'on a eu pire. Ouais, on commence à être bon. Appel. Alors ça va aller vite. On a Fanny, Guillaume, Bertrand, Julien, Franck. Non. Ouais. Si. je suis là. Je t'avais perdu. C'est sûr, hein. Tu... Ah, je suis là. On trouve le RP. Jamais. Et on sait que Antoine, qui fait partie du comité, n'est pas présent aujourd'hui parce qu'il est au TGS Spring Break avec le groupe Stargate Network. Voilà. Ça va bien se passer d'ailleurs. Ensuite, on a une pelletée de membres qui sont membres soutenants et qui nous donnent de l'argent chaque année un petit peu, ou qui devraient nous donner de l'argent peut-être un jour. Ceux-là sont pas là, mais évidemment, cette AG elle est ouverte à tout le monde publiquement parce qu'on veut être tout à fait transparent. Et on l'a toujours fait et on n'a rien à cacher, que ce soit l'argent qu'on dépense, que ce soit les choses qui se passent pendant l'année, les défauts d'organisation qu'on a eu, ce genre de choses. Donc voilà, s'il y a des gens qui nous rejoignent, qui sont dans le public et qui ont envie d'intervenir, même de discuter avec nous, il faut pas hésiter. Parce que voilà, c'est une association qui marche vraiment avec les avis de chacun. C'est une association qui s'est créée par des fans et pour des fans, notamment de Stargate, mais de façon générale de props et de décors. Donc faut pas hésiter à intervenir ou à poser des questions. Et Orion a indiqué sur Stargate francophone qu'on était en AG et que les gens pouvaient nous rejoindre.
puis mettre dans la description le Discord. Le lien du Discord, il est... Il est où? Il est où? Il est là. Tu fais tout pour invitation et puis tu récupères le lien. Comme je suis pas encore tout à fait... Il y en a un qui a laissé son téléphone à côté du micro. Oui, c'est moi. Bien joué. Ok. Alors, je reviens à mon ordre du jour. Appel, c'est fait. Proposition de point non annoncé à l'ordre du jour. Est-ce que vous avez l'ordre du jour sous les yeux? Est-ce que vous l'avez passé vite fait en diagonale, en revue? Est-ce que vous avez des choses à ajouter qui vous viennent à l'esprit? Pour le moment, non. D'accord. Donc à nouveau, s'il y a un sujet où on a besoin de digresser, on peut le faire. Suivant quoi, on va le proposer, ça sera remis à plus tard dans la partie non officielle de l'Assemblée Générale, si ça ne fait pas partie de l'organisation. Ok, donc adoption de l'ordre du jour, c'est la première chose à faire. Qui vote pour? Oui. Oui. Guillaume dit... Très bien. L'ordre du jour est accepté à l'unanimité sans modification. C'est fait. Adoption du PV de l'AG ordinaire du 14 mai 2017. Je ne vais pas vous faire le topo cette fois. Il est disponible sur le lien que vous avez vu. Donc si vous voulez regarder un peu en diagonale ce qui a été dit, on peut. De toute façon... Je l'ai relu tout à l'heure, donc je vais essayer de faire écho à des choses qui avaient été dites en faisant le bilan de cette année. Comme ça, voilà. Donc, est-ce qu'on adopte le PV de l'AG 2017? Oui. Levez la main. Oui. Oui, oui. Il y a personne sur Twitch, on a deux spectateurs, mais normalement j'ai le chat. Ok. Ça c'est fait. Les gens peuvent. Le public peut venir sur Discord aussi, hein, c'est ça? Ouais, j'ai donné le lien sur Stargate francophone, j'ai donné le lien sur l'événement aussi, donc les gens ils peuvent nous rejoindre sans problème. Et les deux channels Assemblée Générale, normalement ils sont publics. Donc, je fais aussi un lien, il y a une page Discord de Stargate Passion, pas mal de gens de okay. Stargate Fusion. S'il y en a un qui se connaît en Discord et qui peut vérifier que les deux salons sont publics vu que c'est Antoine qui les a fait, mais normalement il a dû le faire. Permission, créer une invitation, gérer le salon, Everyone, lire les messages, ça veut dire quoi la barre oblique? Lire les messages, envoyer des messages. Donc c'est pas mission pour envoyer des messages ou synthèse vocale.
Ok, je vais faire un truc, normalement c'est bon, j'espère. Voir le salon, se connecter, parler. Ok, je pense qu'il n'était pas. Je pense qu'il n'était pas en public, maintenant il l'est. Ok, première chose, faire le bilan donc entre mai 2017, parce que l'Assemblée générale la dernière avait lieu en avril. Non, mais elle avait eu lieu en mai, donc on est juste en gagnant un mois en avance, en espérant que l'année prochaine, du coup, on arrivera à se recaler pour mars. Pardon. C'était le but. Okay. Ok. Le bilan des travaux. Alors, qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on n'a pas fait? La dernière AG, on devait terminer les pièces pour la Stargate. On a terminé l'ensemble des tirages nécessaires. Donc, on a vraiment tous les tirages, inclus les ailettes. Donc, là, pour redire rapidement, les deux parties du front panel, le back panel. La collerette, les ailettes, toutes les parties des chevrons, cristal, tout ça, tout a été tiré. Donc toute la partie résine a été réalisée. Pour ce qui est de la partie glyph track, c'est-à-dire l'anneau qui tourne, on a cherché longtemps un plastique qui correspondait pendant un moment. C'était Antoine qui devait s'en occuper, j'ai repris la main derrière. Parce qu'il nous fallait un plastique qui corresponde aux normes anti-feu, donc qui soit M1, enfin c'est plus tout à fait les normes M1 actuellement, qu'on puisse usiner, qu'on puisse peindre, qu'on puisse coller, et on a cherché longtemps. Et finalement, on commence à trouver quelque chose. La semaine prochaine, je vais contacter une entreprise de plastique pour voir si elle peut nous commander le plastique qui correspond, parce que je l'ai trouvé chez un fournisseur, mais le fournisseur fournit pas les particuliers. Donc on doit passer par un revendeur. Donc j'appelle ceux de Genève la semaine prochaine. Et puis si ça le fait pas, on avait trouvé un autre plastique qui devait correspondre peut-être. Et il faudra qu'on les recontacte. Ils étaient en France et là on avait déjà eu un devis et qui était autour de 700 € quand même pour l'ensemble des plastiques pas usinés. J'espère qu'en Suisse, ouais, et gris, il n'était pas noir. Donc j'espère possiblement qu'en Suisse on ait un prix un peu moins cher, on verra. Pour ce qui est des barrettes, elles avaient déjà été faites. Donc entre chaque symbole, il y a des petites barrettes et elles ont été faites par Julien il y a 2 ans. Pour ce qui est des symboles, les symboles, ils sont en train d'être faits par Alex qui a une CNC, donc une machine pour découper le bois en 3 dimensions. Et du coup, on repart le problème avec ce qu'on avait jusqu'ici, donc ils ressemblent à ça. Ils étaient en bois, mais ils n'avaient pas la texture dessus. Et la texture, c'est de l'ABS, donc qui est une sorte de plastique, mais qu'on trouve moins ici, et surtout pas avec la texture correspondante. Donc on a dû en commander en Amérique, on en a fait des copies en résine, donc ça nous a coûté quand même pas mal d'argent. Si on avait été en Amérique, ça serait allé beaucoup plus vite et ça aurait coûté moins cher. Mais on est obligé de faire comme ça. Si on avait voulu importer toutes les plaques nécessaires pour faire les glyphes, ça aurait coûté beaucoup plus cher. Donc en ce moment, Julien a fait tous les tirages des plaques nécessaires pour faire les symboles et on attend qu'Alex ait un peu de temps pour les couper et ensuite il faudra les cliner comme tout le reste. Donc voilà, c'est en attente mais ça va arriver. On aura bientôt tous les symboles de la porte terminés et à ce moment-là on aura vraiment tout l'aspect extérieur en tirage pas retouché. Donc le gros travail à faire juste après, ça sera de nettoyer tout ça, tout cleaner, les ailettes, les chevrons, les gros panneaux, enfin il y a tout à cleaner parce que on l'a pas fait jusqu'ici. Donc il y a vraiment tout à faire.
Le clean, on avait envoyé toutes les pièces des chevrons à travailler chez Bertrand pour que ça soit plus proche de Paris. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient oh là là, c'est super loin, moi je peux pas venir, il faudrait que ce soit plus proche de Paris. Du coup, on a amené les pièces proches de Paris et ben, il n'y a rien qui s'est fait depuis plusieurs mois, ce qui a permis d'un autre côté à Bertrand d'avancer le modèle 3D de la porte, on en parlera après, mais qui est quand même problématique parce qu'il faudra à un moment ou à un autre que ces pièces-là elles soient y retouchées, de même que les pièces que j'ai ici et donc les panneaux de la porte des étoiles. Donc Il ça est où c'est. là? Hein? Bertrand, il est où? Bertrand. Donc actuellement les pièces et Bertrand. Ils sont à Arras. Arras. Arras, c'est vrai. Pardon. Voilà. Donc voilà, il y a une partie des pièces qui est à Genève et il y a une partie des pièces qui sont à Arras. Tous les chevrons en soi sont à Arras, sauf les ailettes qui elles sont chez Julien à Amiens. Et moi j'ai tous les panneaux. Donc tout ça il va falloir qu'on trouve à un moment le temps de s'en occuper parce qu'il va falloir que ce soit prêt au moment où on devra monter la porte et les mettre sur la structure. Donc il faut le faire, il faut qu'on trouve un moyen de s'organiser et ça on organisera après. Mais c'est pour dire que c'est un truc qui a un peu péché cette année et qu'il faut avancer. Ok, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Bertrand, il a fait son super modèle 3D de Porte des Étoiles. Dont est-ce que j'ai des images? Quelque part. On a du coup utilisé un système de co-colissage. Qui est un covoiturage pour mettre des colis. Du coup, on a envoyé tous nos morceaux de Stargate, en tout cas tous ceux qui étaient nécessaires à Bertrand, à Arras, pour qu'ils puissent recréer en trois dimensions, avec un programme, la porte des étoiles, de façon numérique. On avait tenté de le faire quand le segment était revenu de Marimont, donc le segment original de porte des étoiles qu'on a acheté. Il y a un moment, et du coup, ça avait merdé parce que le mec qui était censé livrer, il a livré bien trop en retard, donc Bertrand a pas eu le temps de s'en occuper, et il lui fallait vraiment le temps. Et si je me trompe pas, à cette époque-là, il n'avait pas la place de stocker tout ça. Du coup, on a tout renvoyé, Bertrand a tout récupéré. Et pendant cette année, eh ben, enfin, les quelques mois, là, ces derniers mois, il a fait énormément de prises de mesures, photos, etc., pour pouvoir recréer la porte vraiment très très précisément. Ce qu'il a fait, donc actuellement, il est en train de retoucher le modèle pour qu'il soit complètement clean. Mais le gros du modèle 3D est fait, terminé, et tout parfait. Voilà, donc du coup, c'est super parce que ça va nous servir. Non seulement ça m'a servi déjà, et ça c'est bon, je l'ai fait, à retoucher un peu ma structure, donc le dessin de la structure, avec l'aide de Franck, on en reparlera après, pour la prévoir et être sûr que ça soit correct. Et l'autre utilité de ça, l'idée c'était qu'on puisse. L'utiliser si on loue la Stargate pour des fanfilms ou des trucs comme ça, et ben que ça soit utile, que ça soit utilisé en CGI en fait pour des effets spéciaux. Donc en location, s'il faut, ça peut être fait. Donc je bascule quand même pour montrer une image.
Ok, ça c'est dit, modèle 3D c'est fait. Maintenant, au niveau de la structure, je vais essayer de vous ouvrir SketchUp avec la structure. Je ne sais plus comment il s'appelle. Si, je vais le retrouver. Je l'ai. Ok. Une autre chose donc qu'on a développée cette année, c'est avec l'aide de Franck, qui est arrivé à point nommé. En fait, comme d'habitude, on perd beaucoup de temps parce qu'on attend souvent que quelqu'un débarque ou alors on demande de l'aide et tout d'un coup, on a un sauveur qui arrive avec des connaissances que nous n'avons pas. Je dis juste de nous rejoindre sur le bon. Ok. Voilà, au niveau au niveau structurel, parce que moi je suis pas ingénieur, donc j'ai trop peur de travailler là-dessus. Extrait du retard, j'ai pris des congés lors des ponts de mai. Plus de micro quand tu bascules. Ah, intéressant, ok. Je vais m'occuper de ça. Ok, là on devrait m'avoir quand je bascule sur l'écran. Bah, du coup, on a raté plein de trucs, tant pis. Je peux pas revenir dessus. Donc, au niveau de la structure, je suis toujours en train. Voilà, c'est bon, j'ai réussi à l'ouvrir. Je vais basculer du coup de nouveau. C'est pas ça que je voulais faire. C'est compliqué de gérer tout en même temps. Ok, ça c'est la structure qu'on a dessinée avec Franck. Donc la méthode principale qu'on a faite, en gros, c'est que moi j'ai dessiné le plus possible de ce que je pouvais et j'ai demandé au fur et à mesure à Franck si c'était ok ou s'il avait des idées pour améliorer les choses. Ce qui m'a permis moi de réaliser la structure parfaite de ce que je voyais en étant en connaissance du projet et de ce qu'on veut arriver à faire. Et du coup, Franck, par-dessus, il a pu me donner plein de conseils pour me dire, moi, mon avis, ça va marcher, ça va pas marcher. Et puis, du coup, ça a beaucoup mieux marché que ce qu'on avait fait jusqu'ici, où je demandais simplement à quelqu'un, est-ce que tu peux me dessiner une structure? Est-ce que tu peux ajouter un système rotatif? Là, vraiment, j'ai pu le penser comme je voulais, avec un système de levage, avec tout ce qu'il fallait. Et puis voilà. Du coup, je sais pas, Franck, si tu veux expliquer qu'est-ce qu'il y a à faire maintenant, puis ensuite je montrerai un peu ce qu'on a fait sur cette structure, comment elle Bah, on a est. dessiné la structure du coup, ouais, sur SketchUp, comme tu disais. Donc, l'entièrement en modèle 3D. Puis après, je l'avais redessiné aussi sur AutoCAD pour fournir directement en fait, les entreprises, quoi. Donc, ce qu'on avait fait ensuite, c'était de faire quelques devis déjà à la grosse pour voir, quoi. On avait eu, c'était de l'ordre de 70 000 euros. Plus, non? C'était pratiquement 100 000. Entre 70 et 100 000, je crois. Ouais. Ouais. Voilà. C'était en gros, ouais, les fêtes, un peu juste à faire valider par un bureau d'études. Parce que c'est quand même, tu vois, des particuliers, on a fait comme ça, parce que c'est un problème ensuite. C'est bien qu'il y ait un bureau d'études derrière qui va valider le travail. Et ensuite, on peut lancer la production. Voilà. Donc le bureau d'études, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vérifier que la structure elle-même, elle tienne, que avec ce qu'on va mettre dessus, ça va tenir, que ça respecte les normes nécessaires et que enfin, Voilà. surtout ça se casse pas la gueule. Donc c'est tout à fait nécessaire. Là, c'est de l'ordre de 3 à 4 000 euros, si je Entre me. 3 et 4 000 euros max. Voilà. On voit large 4 000 euros. Et après, il faut prendre aussi un petit bureau de contrôle derrière qui fait qui suit le bureau d'études. Ça, c'est pas cher, c'est de l'ordre de 500 ou 400 balles. Voilà, donc l'idée c'est d'être complètement blindé en disant que si le professionnel qui fait la soudure, il peut aussi attester que ces soudures elles tiennent, notre structure elle tient et on peut attester quand on va sur un salon que la structure elle tient,
devant une personne qui s'occupe de la sécurité dans un salon, on peut lui montrer toutes ses attestations et lui dire « vous en faites pas, il n'y a pas de risque ». Notamment, ça devrait nous éviter les normes qui nous demandent d'accrocher tout objet qui dépasse 4 mètres, si je ne me trompe pas, de haut dans une halle d'expo au plafond, parce que ça coûte énormément cher en fait, ça demande du rigging et qui pose des points de rig qui coûtent des fois des milliers de francs à poser. C'est un peu 1000 euros le point de rig, si je ne me trompe pas. Donc 2000 euros en plus de la location de la porte, ça va pas plaire aux événements. Ça nous permettra du coup d'éviter ça normalement, si tout va bien. Mais ça, c'est encore à voir avec les événements, je suis pas sûr. Mais ça, ce sera à eux de s'en occuper. Ok. Donc la suite, c'est ça. Puis trouver quelqu'un qui puisse nous construire cette structure sans forcément qu'on ait à payer 100 000 euros parce qu'on les a pas. Donc l'idée c'était d'avoir une structure qui coûte pratiquement 10 fois moins. On verra à quel point c'est possible. Et on reparlera des histoires de gagner de l'argent, trouver de l'argent. Nickel. À savoir qu'il y a une personne qui m'a contacté, qui travaille en Angleterre, qui est en train de faire des études dans une école très connue qui crée des décors de scène. Donc là, il est en deuxième année. Et cette année, d'ici une année, il doit présenter un projet en fait qui soit un décor, qui inclut, si possible, la construction acier, alu, du travail avec du plastique, etc. Et il m'a contacté il y a très très peu de temps. Il m'a dit voilà, moi j'aimerais construire la Stargate de Pégase, donc celle d'Atlantis. Est-ce que on pourrait s'entraider? Du coup, comme lui il fait de la structure, et j'ai bien envie de voir avec lui s'il y a moyen, quitte à aller chercher la structure en Angleterre, même si ça coûte la location d'une camionnette, de voir si on peut lui faire faire ça d'une certaine manière. Après, je sais pas, vu que son projet il est censé le rendre dans une année, s'il arrivera à faire les deux structures. Mais bon. Il a accès par exemple à des découpes Waterjet à l'eau. Il a des diplômes en... Ce genre de truc. Il est... Non, bah justement, il est en école. Donc il est censé apprendre. Voilà, donc à voir, ça c'est des trucs que je dois discuter avec lui. Et encore, voilà, bah c'est tout ce qui reste en gros à voir sur cette structure. J'espère que les gens m'entendent, comme ça je vais vous la présenter un peu. Donc si vous avez switché sur Twitch, vous pourrez voir ce que je suis en train de montrer. En gros, on a l'anneau, évidemment, principal, qui est découpé en 9 segments. Voilà, ça c'est à peu près un segment. Chaque segment a 3 plaques qui sont reliées avec du tube carré. Tout ça c'est de l'alu. Tout l'anneau est censé être en alu de façon à ce qu'il soit plus léger et du coup au niveau de la du socle on est à faire quelque chose de plus léger aussi pour pouvoir le tenir debout. De nouveau, ça sera des choses qui seront vérifiées. Donc tout ça se met ensemble. Ensuite on a un système de rotation. Voilà, qui a pas beaucoup changé par rapport à ce qu'on voulait faire au début, qui ressemble énormément à ce qu'ils avaient fait pour la Stargate en réalité dans la série, c'est-à-dire qu'on a des galets qui se répètent le long de ces plaques en acier, en alu. À l'intérieur, on a un échelon rond tout le long et une plaque perpendiculaire qui va nous servir depuis en bas à poser dessus une roue qui va faire l'entraînement de cette glyph track. Donc voilà, ça c'est la base. Ensuite on a un système de levage que j'ai développé à partir d'autres principes qui existent déjà dans l'univers du spectacle. En gros, on vient construire la structure en bleu ici qui sera ensuite déconstruite pour l'exploitation. Cette structure-là permet, avec un système de moteur ou à la main, on verra si c'est possible, ça coûterait moins cher,
accroché à la Stargate, de faire monter en fait tout l'anneau qui lui est relié à un système de charnières. Les charnières sont là. Surtout qu'il y a un décalage hein, par rapport à ce que je montre. Vous allez le voir. Il y a aussi une retenue de l'autre côté, simplement parce qu'à un moment, la Stargate, elle va perdre l'équilibre et du coup, il faut la retenir de l'autre côté. C'est tout simple, c'est une retenue manuelle. Ça peut être les mêmes systèmes de levage des deux côtés. Là, pour imager, j'ai utilisé un système de levage de chapiteau qui permet de tirer énormément de presque 1 ou 2 tonnes à la main. Voilà. Pour ce qui est de du socle, alors il y a un raccord donc entre la partie acier qui est là en blanc, non la partie alu qui est en blanc et la partie acier qui est là en gris, parce que bah, là il y a bien un moment où il faut que ça se rejoigne et on ne peut pas les souder l'un à l'autre. Ici on a un système de charnière, donc c'est là où elle va basculer le long de cet axe ici. On a remarqué que la structure en bleu nous bloquait, donc on s'est dit qu'on allait enlever une partie de l'anneau, ce qui n'est pas un problème parce que les deux parties avec la charnière sont tout à fait fixes, donc on n'a pas trop de risques. Encore un truc à demander de toute façon au bureau d'études. Et le socle lui-même, il se défait en plusieurs parties, ici je les mets en évidence. Les parties les plus grandes faisant juste moins de 4 mètres parce que la plupart des utilitaires les plus gros qu'on puisse louer, donc camionnettes, elles font jusqu'à 4 mètres de long. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir une structure qu'on puisse mettre dans une camionnette, que l'ensemble si possible de la Stargate on puisse mettre dans une camionnette, plutôt qu'un camion, parce que si on va avec un camion, il nous faut un permis pour ça. Donc l'idée c'est de voir avec une camionnette si on peut le faire avec deux camionnettes par exemple, le transport de la Stargate en entier. Contrairement à ce que nous avait dit la Belgian Costume Division qui nous disait qu'il nous faudrait 3 smirmorques, je pense qu'on s'en sort quand même sans autant. Surtout sans l'habillage du socle parce qu'il va prendre de la place plus tard. Donc l'idée c'est que les premières présentations de la Stargate se fassent dans cette présentation-là avec l'anneau complet, le socle à vue en acier. Et pas de déco, pas forcément. J'imagine une rampe rapidement faite, mais. À part l'emprunter à quelqu'un ou la louer, on va pas forcément construire une rampe juste pour ça. Parce qu'il faudrait que la rampe aille jusqu'à l'anneau et qu'ensuite il y ait un aplat pour qu'il puisse se poser dedans. À voir. Non, faut jusqu'à la. Non, pas besoin de qu'elle aille de l'autre côté, c'est juste qu'elle aille jusqu'à la. Bon, ah, c'est une possibilité. Même si les gens se tiennent dessus, il faut qu'ils puissent se tenir à plat. Ils peuvent pas être dans la pente et puis se tenir à peu près devant, Oui, c'est oui. pas très intéressant. Donc, à voir ce qu'on peut faire. On pique les escaliers de la BCD. Non, ils sont trop bas. Donc voilà. Voilà pour la structure. Donc là, on en a effectivement trouvé un bureau d'études, trouvé quelqu'un pour nous faire la structure à moindre prix, soit la personne que j'ai eu par mail, soit un de mes collègues au théâtre de Vidi, mais il faut encore que je le contacte, j'ai toujours pas réussi à le contacter. Donc ça, c'est une chose qu'il faut faire. Ok, je repasse en caméra, j'espère qu'on m'a entendu parler et dire tout ça. La suite, alors toujours par rapport aux travaux, est-ce qu'on a tout dit? Il y a ça, il y a ça. Toute l'électronique, on en avait déjà parlé l'année dernière, de toute façon c'est toujours le même cas, c'est tout prêt, il y a juste à connecter les choses ensemble. Et ensuite. L'électronique, tu parles donc des lampes, enfin des chevaux, Ouais, tout ce qui est LED, ça c'est prêt, il y a juste le c'est ça? Le driver. moteur du chevron amovible Hein? et le chevron amovible. Le chevron qui bouge, il est fait par Antoine. Antoine, il est censé s'attaquer à ça. Ces derniers temps, il n'a pas eu tant de temps. Il nous avait promis d'avoir le temps, mais finalement, il est arrivé des trucs et puis c'était pas possible. Du coup, il est censé se relancer dessus. On est censé avoir une discussion ensemble pour revoir et être sûr que c'est tout correct. Mais je crois qu'il a bien compris ce que je demandais, qui est principalement la possibilité de démonter facilement les choses et qu'on n'ait pas besoin, ce moteur en particulier, d'à chaque fois devoir
Démonter de la section. Ouais, juste l'enlever, ça va, mais souvent les choses que tu démontes et que tu remontes, quand il s'agit de moteur et de courroie et de piston et ce genre de trucs, il faut faire des réglages en fait. Donc moins on a de réglages à refaire et mieux c'est. Donc si ça peut rester peut-être sur un segment en particulier ou comme ça, c'est à voir. Voilà. D'ailleurs au niveau du moteur de la Stargate, eh ben, au départ elle sera présentée sans moteur. Mais elle sera déjà assez impressionnante, je pense. À mon avis, il y aura déjà tout le système électrique. Probablement sur un système automatique, peut-être. Et puis, moteur, à part si on trouve un petit moteur pas cher, enfin, à part si on arrive à utiliser le moteur qui nous a été donné dernièrement, on va pas le faire comme ça. Après 19h, ok. C'est Le le cours moteur qui a de. été donné, c'est l'idée de toute façon, comme tout. Oui, on a eu la famille en photo de la grue, là. Le moteur qui nous La a été fameuse grue. Ouais. donné, non, c'est juste qu'il faut, il faut un driver, enfin, il faut l'automate qui va avec et qui lui permet de tourner. Il faut aussi qu'on capte qu'est-ce qu'il bouffe comme entrée en énergie, etc. Le problème, c'est qu'Antoine a contacté le fabricant et le fabricant a plus du tout, c'est trop vieux en fait, et il a plus du tout les informations par rapport à ce Il a moteur-là. plus gardé les... Du coup, on a à voir, on peut magouiller, mais le problème, c'est que si on veut acheter de quoi le faire tourner, il faudrait dépenser 500 balles de plus. Si on peut éviter de dépenser 500 balles de plus, eh ben, c'est mieux. Donc la question c'était est-ce qu'on essaie de faire tourner ce moteur pour voir, parce que peut-être, mais ça sera plus manuellement qu'automatiquement, en appuyant sur des boutons pour le faire tourner dans un sens, en appuyant sur les boutons pour faire tourner dans l'autre. Donc c'est moins intéressant. On peut pas animer l'ensemble avec le chevron, machin. Donc pour moi, autant directement aller sur... un moteur définitif qui est ce qu'on veut exactement, qui sera la bonne taille, la bonne puissance, etc. Qu'est-ce que d'autre que j'ai? Qu'est-ce qu'il y a d'autre au niveau des travaux? C'est à peu près tout, hein. La glyph track, donc j'en ai parlé. La structure, j'en ai parlé. Le gros du truc, c'est la structure. C'est ce qui nous a toujours posé problème et c'est ce qui nous a toujours ralenti énormément. Un point où je me demande des fois, est-ce qu'on ne devrait pas commencer à louer la Stargate avec une autre structure, faite beaucoup plus facilement, peut-être plus légère, où on demande des points d'accroche pour pouvoir commencer à la louer et pour pouvoir avoir plus d'impact au niveau du public, quoi. Je sais pas. Ça serait dommage parce qu'on a les plans maintenant, on est assez proche du but. Mais le prix qui nous est demandé est beaucoup trop haut, quoi. Ok. Déjà, faire une photo de la Stargate à plat, tu vois, complète, ça va mal. C'est ça. Et pour faire ça, il faut qu'on finisse de nettoyer tout ce qu'on a fait, quoi. Et il faut que je Je le pense que fasse. déjà, là, tu auras déjà un bon impact, tu vois. Ouais, il faut que je fasse la glyph track. Donc ça c'est des choses qui arrivent en espérant que dans l'été j'ai un peu de temps malgré que j'ai pris encore des obligations. Travaux, est-ce qu'on a d'autres choses sur les travaux? Est-ce que vous avez l'impression qu'on a fait d'autres choses? On n'a pas fait énormément hein, cette année, donc c'est aussi ça montre aussi qu'il y a une baisse au niveau du rythme, quoi. Je me rendais compte qu'on avait. Enfin, l'année dernière, j'ai dit qu'il fallait vraiment qu'on soit présent, qu'on trouve des gens pour nous filer un coup de main, quitte à demander ça comme un service. Vraiment pas dire allez, ceux qui sont motivés, venez, mais commencer à dire à nos potes j'ai besoin d'aide, là, faut vraiment qu'on fasse ça, parce que c'est nécessaire. Donc, voilà, cette année, c'est la même chose, quoi. Il faudrait vraiment qu'on ait des gens pour nous filer un coup de main, quitte à demander cette aide. Plus qu'à dire venez si vous êtes motivé. Du coup, ouais, à part finir de dessiner la structure que j'ai fait moi avec Franck, à part dessiner le modèle 3D que Bertrand a fait, et à part faire les tirages des ailettes et être prêt pour les glyphes, et ben c'est à peu près ce qu'on a fait cette année. Plus les tirages des quelques pièces qui restaient. Mais c'est pas énorme. C'est pas énorme sur une année entière de Stargate, quoi, où on aurait pu avancer, à mon avis, beaucoup plus.
Alors, à mon avis, aujourd'hui, on devrait déjà être avec des pièces complètement clinées, même peintes, si ça se trouve, pour pouvoir attaquer la suite, quoi. Il devrait nous rester que la structure, qui pose problème pour d'autres raisons. Donc voilà où on en est des travaux. C'est toujours ce qui prend le plus de temps pour stager. Donc la suite, ça va être plus simple. Chiffre de l'année, site internet, réseaux sociaux, tout ça. Ça va être un peu compliqué parce que normalement c'est Antoine qui s'en occupe. Donc je vais vous les afficher puis on va le faire en live. À savoir que. Il y a eu quelques événements déjà dont je peux parler, des choses qui. Dégage! Des choses qui ont bien marché ou des choses qui ont moins bien marché. Je vais passer en mode visuel. Ok, ça marche. À l'écran, qu'est-ce qu'il dit? Ça a l'air restrictif. Ok. Voilà, donc ça c'est nos stats sur Facebook. Façon générale, alors là ces derniers jours on n'a pas énormément. Le fait, déjà une chose c'est le fait de poster régulièrement des choses, ça évidemment ça nous apporte plus de visibilité et ça motive plus les gens à interagir avec nous. Je peux pas m'empêcher de passer d'un écran à l'autre. Donc ça marche pas mal. C'est vérifié dans le fait que habituellement on avait quelques likes, 5, 6 sur ce qu'on postait, et que de temps en temps il y avait un gros boom parce que c'était partagé par la plupart des pages Stargate, parce que c'était quelque chose de très intéressant comme une partie de la Stargate dans le jardin ou ce genre de choses. Donc tout d'un coup, les gens, ils ont un peu de hype et puis ils se disent ah, trop bien, puis ils partagent, puis ils font des trucs. Mais c'est assez anecdotique. Là, en partageant relativement régulièrement, on se rend compte que on a une trentaine de likes, on a une dizaine de partages pratiquement sur chaque article. Ce qui est bien. L'idée, c'était de faire ça jusqu'à un événement. Donc là, je commence à être en baisse de contenu que je peux mettre en avant. On a eu toute la série des Le saviez-vous là, Did you know, les facts quoi sur Stargate, qu'on a fait principalement autour de la Stargate et des gros décors. Il reste quelques trucs qu'on pourrait mettre en place, mais il y en a pas. On en avait une douzaine jusqu'ici, et puis là, j'en compte peut-être 5-6. Pour la suite, donc c'est pas assez. Donc si vous avez des idées de facts, de trucs que vous avez vu dans des making-of, qui ont été dits pendant des talks sur des conventions par les acteurs, mais qu'on savait pas, ou ce genre de choses, c'est des choses qu'on peut en faire des images, des facts, et les envoyer une fois par semaine. Voilà. Et donc j'envoie, si possible, quelque chose toutes les semaines, tous les mardis. Donc jusque-là, j'ai à peu près tenu. Il y a eu 2-3 fois où on avait maximum 2 semaines de blanc, et c'est pas arrivé beaucoup. Donc avec les facts, avec l'avancement des travaux, et le fait que je scinde une partie de l'avancement de certains travaux, par exemple les ailettes de Julien, il m'a tout envoyé en même temps, mais j'ai pas tout envoyé en même temps les images, j'ai scindé en 3 parties, pour que les gens ils puissent avoir quelque chose à se mettre sous la dent, quoi. Les événements, on va aller à l'envers, ça sera plus simple pour moi. On a des grosses montées de likes, je ne sais pas quand. 14 mars 2018. Elle est déjà la porte en 1er avril. On a eu une grosse montée de likes le 1er avril. Donc ici, vous voyez une grosse pique. Ça, c'est le 3 avril. Ça, c'est le 1er avril. Donc on a une énorme pique, on a 52 abonnés de plus. Pourquoi? Parce qu'on a fait des blagues. Donc ça c'est un truc qui a bien marché. On a fait un gag de 1er avril en disant super, likez la. Enfin, on a fait un faux comment dire? Concours, parce que nous, Concours, on a fait un faux merci. jeu, un faux concours.
Voilà, donc on a fait un faux jeu concours qui était où on demandait simplement de partager, un peu comme toutes les pages, par contre où on offrait la possibilité de dire, dites-nous pourquoi vous trouvez le projet cool, pourquoi vous trouveriez sympa d'avoir un back panel chez vous et pourquoi vous aimez Stargate. Donc là les gens ont pas mal participé, c'était chouette. Il y a eu pas mal de gens qui se doutaient du truc mais qui ont participé quand même, comme je l'ai mis d'ailleurs dans le post pour dire que c'était pas vrai. Donc l'idée c'était de dire on vous file le back panel original, tout gratuit. Et le message finissait par le reste, on est obligé de le vendre parce qu'on n'a pas d'argent. Donc voilà. Ben là, les gens se sont abonnés parce que dans la consigne, c'était abonnez-vous à la page. Sur 52 abonnés, dans la journée, on en a perdu 6 le lendemain. Ce qui n'est pas énorme pour des gens qui s'abonnent juste pour un concours. Donc. À mon avis, le concours a permis de faire passer l'information en fait que la Stargate elle se construisait. Il y a certaines personnes qui ont sauté sur l'occasion et qui ont découvert le projet. Dans les mois à venir, évidemment, on va avoir quelques des inscriptions comme il y en a depuis le début. Hein, de façon générale, on gagne quelques personnes dans une semaine et puis on en perd quelques-unes toutes les semaines aussi. Donc ça c'est un gros pic, je vois un autre gros pic 13 mars, ça doit être la porte en 3D. Ça c'est un truc qui a vraiment bien marché aussi, Bertrand il a fait du super boulot, puis du coup on a pu montrer la porte, ça a été partagé par Stargate Fusion, Prosmemorabilia, etc. Et du coup ça nous a fait un peu de pub, et les gens ils ont pu voir du concret, tout d'un coup il y avait une vraie Stargate de nouveau faite par les AMG. Et ça c'est cool, donc Franck t'as tout à fait raison, le jour où on a la Stargate à montrer dans le jardin, je pense que ça va péter aussi. Et en janvier, février, en début d'année, on a un autre pic, et je saurais pas dire ce que c'était. Ça devait être de la 3D aussi, moi. Possible. Je pense qu'avec la Target, tu vois, t'aurais moyen. Il y avait une petite vidéo YouTube, tu vois, et puis la présente, même en complète dans ton jardin, ça pourrait faire un peu. Ah, en intégration? Ouais, il faut juste qu'on découvre un petit peu, et tu vois. Jouer sur les différents médias, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. L'armée, je me souviens, il construit pas mal de choses par un anglais, il avait fait un quadruple dans son jardin, par exemple. Ah, Il fait beaucoup de trucs comme ça, il déconne pas mal, il fait des constructions, et puis on regarde les anciens. Ouais, le truc c'est, enfin, si on devait vraiment la monter, la construire juste pour la présenter, ça coûterait trop cher. Donc on peut pas vraiment le faire. Tu mets à plat, tu mets des vidéos, tu pourrais montrer la vue, vue de ta chambre sur le jardin, Oui, le ça on côté va face, faire. le côté recto, le côté verso, ou Un éventuellement coup. certains avec des lumières, si les LED sont plus ou moins faites, ça fait un peu. Ouais. Les mettre l'une à côté de l'autre en rectangle. Je pense Ouais, que ça m'en est trop petit. c'est ce que je pensais Tu faire. crois? Non, on a deux parties du jardin, Il va c'est falloir faisable. bouffer du jardin de son grand-père. Dis papy, je peux enlever tes plantes et la barrière, tant de la photo. Donc voilà, je regarde. Ah oui, ben il y a eu un pic au moment où Stargate Origins est sorti. On a dit, voilà, Stargate Origins, c'est bientôt. On a juste dit ça, on a mis une vague image et les gens, ils ont partagé, ils ont commenté, on a explosé des centaines de trucs. Enfin, on a eu 100 likes dessus. C'est les premières fois où on a plusieurs fois de suite, en fait, en quelques mois, des centaines de likes, des centaines de partages, sur les publications. Donc ça veut dire qu'on commence à avoir un groupe de personnes qui interagit avec nous et ça, c'est une bonne chose. Ça fait longtemps qu'on attendait que ça se passe. Et non seulement parce que les travaux se font régulièrement et parce qu'on poste régulièrement, ben les gens ils sont accrochés à la page. Voilà. C'est à peu près tout, je ne vais pas en parler plus que ça. Sur Twitter, on a partagé pas mal de choses pendant le storm. Donc le tweet storm de Malody qui demandait de partager en montrant que on était tous soudés et qu'on aimait Stargate et qu'on voulait une nouvelle série faite par les mêmes réalisateurs et producteurs que les SG1, Atlantis et Universe. Et ben là, on a mis un peu notre grain de sable, on a montré de nouveau qu'on faisait une Stargate grandeur nature, et de nouveau Malozzi a dit, ah c'est super, tout ça. On n'a plus entendu parler de Roland Emmerich par contre depuis un moment. Voilà. Et puis,
Sinon, donc là actuellement on arrive tranquillement à 2500 fans. Voilà. Donc on pète pas des plafonds. Par exemple, Stargate Network fait exploser pas mal sa page et plus efficace que nous à ce niveau-là. En même temps, ils ont des trucs à montrer chaque fois. Ouais, ils font des événements, ils demandent un certain nombre de likes pour lancer des nouvelles sorties. Et ils ont quand même pas mal de trucs à montrer parce que ils font des objets 3D au fur et à mesure. Donc finalement, il n'y a pas besoin d'infrastructure autour plus que ça. Que nous, si on veut montrer la structure de la Stargate, il va falloir qu'elle commence à être construite. Voilà. Sinon, sur Twitch, ça marche toujours très très bien. Le dernier qu'on a fait, c'était en théorie le dernier pour la Stargate, parce que je doute qu'on arrive à le faire pour la structure, mais si on peut, on le fera. Peut-être qu'il y en aura quelques-uns quand on sera en été et qu'on commencera à cliner les morceaux dans le jardin. C'est peut-être quelque chose qu'on pourra faire. Mais Twitch, ça marche très bien, c'est chouette, on a de l'interaction avec les gens, les gens sont là, les gens écrivent, donc c'est vraiment bien. Et si on peut, on va continuer. Et dans le développement de l'association plus tard, on en parlera plus tard, mais ça peut être un outil qui est bien. Ok. Voilà, je vais m'arrêter là pour les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à dire. Site internet, on en parlera plus tard. Je crois que c'est à peu près bon. Je ne sais pas ce que, si vous avez quelque chose à ajouter. Oh non, non. Ouais. Bon, le blog, voilà, il est mort depuis longtemps. Ça, on le sait. Je reviens en caméra. Ok. La suite. J'essaie de speeder le plus vite possible, mais c'est 19h, ça va encore. Événement auquel l'association fut présente. Ça va aller vite. Il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu beaucoup. Non, SFS, c'était l'année d'avant. Il y a déjà le retour du SFS dans le la V précédente. Donc on n'a pas fait cette année de convention du tout. L'année dernière on avait fait le Suissantasy Show. Cette année on a La Lyon Game Show avec RDA en novembre. Ouais. Il vient que le samedi apparemment, finalement ce qui était fait au TGS. Ouais, on en discutera après des événements à venir, ça sera dans la deuxième partie. Du coup, ouais, dans ce qu'on a fait vraiment, il n'y a pas eu d'événement. Donc la question se pose justement, est-ce qu'on va en faire cette année? Et ça, on en discute après. Le seul événement vraiment où on était présent, c'était la présentation du projet pour l'association des Amis de la Maison d'ailleurs. Ouais. L'AMDA, la maison d'ailleurs étant un musée sur la science-fiction et donc notamment à la base au niveau écrit, mais ensuite qui est devenu aussi une présentation d'objets et des trucs comme ça, donc qui a présenté notamment des expos sur Stalker, sur Star Wars, sur même comics. Avec du Batman et des trucs comme ça. Donc c'est, en fait c'est le musée de la science-fiction et du fantastique. Où ça, redit ? C'est à Yverdon. À Yverdon. T'as le lien ? T'as le lien ? Cherche Maison d'ailleurs. Maison d'ailleurs. Ça s'appelle la maison d'ailleurs. C'est pas la maison d'ici, c'est la maison d'ailleurs. C'est ailleurs, c'est pas ici, c'est sûr. Bah non, c'est à Yverdon. Du coup, on est. Alors, c'est pas vraiment la maison d'ailleurs, c'est l'association des Amis de la Maison d'ailleurs, parce que qui soutient et qui fait marcher en partie le musée, mais c'est pas vraiment l'administration du musée, les gens du musée, c'est les membres soutenants. Et chaque année ils font venir un groupement ou un artiste en rapport avec la science-fiction et le fantastique, donc ça peut être très large. Cette année ils nous ont contactés, ils nous ont demandé si ça nous intéressait de présenter le projet, et du coup on a dit d'accord. Ça nous a permis d'écrire un premier jet d'une conférence au format d'une heure qui a été réécrit 3 fois parce que ça allait pas.
Et qui est, et finalement, ouais, finalement, ils ont décidé de ne pas l'utiliser. D'une part ou de pardon, d'autre part. Je les ai coupés. Le premier, l'idée de cette présentation, c'est de pouvoir la présenter en convention plus tard. D'avoir une Ouais. heure de prête dans laquelle on peut sabrer en disant, nous, on a une heure de présentation. Si on vient avec la Stargate ou même si on vient sans la Stargate, on peut vous faire une heure de présentation sur le projet pour vous expliquer les tenants aboutissants du truc, qu'est-ce qui a merdé, qu'est-ce qu'on peut encore plus faire mieux, qu'est-ce qui est super, qu'est-ce qu'on a fait, où on en est. Et c'est la présentation type. On pourrait déjà proposer en fait sans avoir fini la Stargate encore. D'accord. J'avais fait un premier jet qui était plutôt ça fait 8 ans qu'on fait ça, c'est compliqué, j'en ai marre. Ce qui n'avait pas grand sens et qui avait été exprimé de façon chronologique. Donc c'était pas tout à fait compréhensible. Ensuite, j'ai refait un deuxième jet sur les avis de Fanny et d'un collègue qui était avec moi en tournée à ce moment-là, en disant que tu peux pas te présenter ça. J'ai dit oui, effectivement. J'ai refait. Le deuxième jet, c'était plutôt du geek à fond et si les gens s'intéressaient à l'aspect technique. Il fallait être à fond dans le technique. Donc si tu parles de moulage, de silicone, de tirage en résine et que les gens ils s'en foutent. Et là on m'avait prévenu, non, lambda c'est des gens, tu sais, ils lisent des livres et tout, c'est des vieux et tout, ça va leur faire chier. Du coup j'ai réécrit un troisième jet qui était plus général. Voilà. Finalement ce troisième jet n'a pas été utilisé parce que le public qu'a eu l'équipe qui est allée sans moi et qui s'est bien débrouillée, c'est un public qui était plutôt geek et qui se serait intéressé à tout l'aspect technique. Donc du coup voilà. Non, mais après, si tu veux Donc tout a renouveler, faut été pas hésiter non improvisé. plus. Si tu penses intéressant, on prend tout le monde dans la média que je vends à ça. Hein, s'il y a besoin de plus de contenu, s'il y a besoin de trucs à côté. Bah, je pense qu'une heure, c'est déjà très peu en fait pour un contenu pareil. Il y a beaucoup beaucoup à dire sur la Stargate, notamment si on commence en parlant de props aussi, de façon générale. Donc faut pas. Alors, de ton côté, si avec Prof Marabia tu veux aussi donner des conférences et parler de props, ça peut être cool parce que c'est plus général. Mais nous, je pense qu'on va rester accroché à seulement le projet. Et évidemment, la présentation finit sur une ouverture en disant, mais les AMG, c'est aussi, et nous, ce qu'on veut faire plus tard, c'est, etc., etc. Je sais pas du tout s'ils l'ont dit pendant la présentation. Mais je crois qu'ils ont bien géré. Donc moi j'étais assez content de la gestion qui a été faite, bien que j'étais pas présent. Au départ je voulais être présent par Skype, mais c'était le bordel. Donc j'ai abandonné plus rapidement que d'habitude. Donc voilà pour les événements. C'est à peu près le seul événement auquel on a participé. Soutien, nouveaux arrivés, nouveaux membres, aide, etc. On a évidemment Franck qui est venu nous dépanner, nous aider et nous sortir du bourbier autour de cette structure. Donc merci à Franck et de ton aide précieuse. On a évidemment toutes les personnes qui sont dans cette association jusqu'ici, avec Fanny, avec Guillaume, avec Bertrand, Julien. JB, Alex, qui c'est que j'oublie? Voilà, tous ceux, et Antoine et Laetitia, qui sont toujours là, qui font toujours des trucs, qui nous filent toujours des coups de main. On verra cet été, je suis persuadé qu'il y a pas mal d'entre vous qui vont venir à la maison aider à cliner des pièces. Donc, moi, je vous dis ça. Donc, tout ça, c'est des gens qui nous filent des coups de main. Les pages qui font passer de l'information régulièrement, c'est Stargate francophone avec Orion qui est moins qui est plus du tout active dans l'association mais qui, sans dire un mot, est toujours là à partager nos infos jusqu'à actuellement l'Assemblée générale des enfants de MacGyver. Donc Stargate francophone partage en continu les informations, surtout quand il y a des trucs un peu excitants. C'est sûr qu'ils partagent pas tous les petits détails et les petites bêtises qu'on met, mais dès qu'il y a un truc un peu fun, ils le font. Props Memorabilia, Stargate Props Memorabilia du coup maintenant, qui est représenté ici par Guillaume,
partage régulièrement aussi ce qu'on fait, à l'instar bah, par exemple du poisson d'avril qui a été perçu, qui a été partagé sur Prof Memorabilia, qui a été partagé sur Stargate francophone et qui a été partagé sur Stargate Fusion, parce que de plus en plus Fusion est attentif à ce qu'on fait. Et partage aussi, donc on a eu le partage de ça, mais on a eu le partage de la porte en 3D de Bertrand, de l'avancement de certains travaux, donc c'est chouette, ça fait plaisir. Et Stargate Network évidemment, où là c'est plus une demande de notre part habituellement, parce que Stargate Network partage très très peu de contenu d'autres groupements, donc on est un peu privilégié sur ce coup-là. C'est leur politique, hein, ce que j'avais dit, c'est que... Ce qui a un sens. Un choix qu'ils font de ne pas partager. Voilà, pour rappel, les EMG, ils partagent pas grand chose non plus. Hein. D'autres pages. Je vais en reparler, les SGM. Ouais. C'est... De toute façon, on sait pas quand ils sortent leur jeu, jamais. J'avoue. Demain. Je vais faire l'autre jeu là. où ils se sont gueulés sur notre page, là, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, tout à fait. Entre eux ? Ouais, bon, non, on en parlera après. On va pas en parler maintenant. Et donc, ouais, SGN bah, donc, accepte régulièrement quand on dit ah, vous pouvez nous faire un peu de pub. Quand il y a un gros événement, qu'on demande ah, bah, on a fait la porte en 3D, est-ce que vous pouvez le partager ? Parce que c'est un rapport avec ce que vous faites. Ah, on a une vente, est-ce que vous êtes d'accord de partager la vente ? Tout ce genre de choses. Donc, ça, c'est des choses qui ont été faites. Donc c'est bien. C'est nos partenaires principaux actuellement. Les autres c'est des idées, c'est des choses qui sont pas tout à fait concrètes. Donc on va pas en parler beaucoup plus. Donc voilà pour les partenaires. Maintenant les bonnes idées de l'année et les flops. Je pense que dépenser l'argent nécessaire pour envoyer le segment jusqu'à Bertrand et qu'il fasse le modèle 3D, c'était une bonne idée. Il y a eu une bonne réaction du public. D'un autre côté, oui, on fait le projet pour le public, mais il faut qu'à un moment, ça nous ramène quelque chose. Ça nous a ramené du public un peu. C'est prêt pour la suite. Pour une fois qu'on pourra faire la location de la porte, c'est une bonne chose. Je suis persuadé qu'on pourra faire des rendus avec cette porte pour faire que ce soit des fonds d'écran ou des trucs comme ça avec le logo des EMG. Donc si on imagine transmettre des fonds d'écran avec du logo des EMG, ben si les gens apprécient le fond d'écran, ils vont le mettre en fond d'écran, ils auront toujours le logo des EMG, ça leur fera penser à nous, et peut-être l'info passera un peu plus. C'est peut-être quelque chose qu'on peut faire. Par exemple, mais je pense que c'est une bonne chose, donc il restera maintenant à ramener ce segment en entier chez moi, mais on n'en a pas plus besoin que ça actuellement, parce que maintenant la structure, il va falloir tester de mettre les panneaux sur un prototype de la structure en bois, mais ce prototype je peux l'utiliser avec les panneaux qu'on a fait nous-mêmes, donc on n'a pas besoin plus que ça. Et le modèle 3D il reprend exactement la façon dont les pièces se mettent entre elles, donc on peut s'y référer aussi sans forcément reprendre le segment original. Donc ça c'est un truc qui a bien marché. Quoi d'autre? Bah, on a fini ces travaux, ces tirages c'était bien. Le poisson d'avril était cool, c'était une bonne chose, ça nous a apporté des vues. Je pense que c'était une bonne idée. Les facts, c'est bien aussi. Donc poster régulièrement sur la page Facebook, j'en ai parlé avant. C'est quelque chose de bien. Voilà, à peu près dans ce qu'on produit les EMG. Parce que les ventes de pièces, c'était le dernier PV, donc on va pas en parler. Je sais pas si vous voyez d'autres choses qu'on a fait cette année et qui étaient cool. Donc de nouveau, le bilan, il est pas en surnuméraire, quoi. Il y a pas énormément de choses qui ont été faites. Ouais, c'est vrai. On a fait effectivement la présentation pour la maison d'ailleurs. Et ben justement, on a atteint un public qu'on n'atteint pas forcément avec Facebook, parce qu'il y a des gens qui sont pas tout à fait connectés. Et du coup, voilà, on a eu des liens avec d'autres personnes qui ont eux-mêmes d'autres cercles et qui en ont parlé, et donc du coup, plus en Suisse, donc c'est une bonne chose, dont justement une personne qui a accepté de nous refiler un moteur.
Ok, on va voir ce qu'on va en faire, mais en tout cas, c'est un don sympathique et utile normalement si on arrive à faire quelque chose avec. Ça met des choses en route, quoi, c'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses sympas qui ont marché jusqu'ici? On a deux likes de plus sur la page depuis tout à l'heure. Ouais, c'est moi, j'avais même pas mis like en fait. Durant pour ce qui. Ah Après, j'ai dû inviter des contacts, donc c'est pas que. Ok. Les flops. Donc, rien d'autre de positif à dire sur votre travail de l'année? Un beau bilan. Ok. Qu'est-ce qui a pas marché? Alors, avant de parler de l'investissement des gens dans l'association, ce qui est un autre sujet, il y a des choses qui n'ont pas marché. On a transporté, enfin, Guillaume s'est occupé de transporter toutes nos pièces de chevron il y a quelques mois Arras. jusqu'à Arras. Non, jusqu'à chez moi, puis chez moi, Arras. Ouais, donc ça aurait dû amener des gens plus motivés. Pardon, je vais partager le Discord sur Twitch. Ça a amené des gens un peu plus motivés, mais qu'est-ce que je racontais? C'est pas du tout ça. Pardon, je me perds, je fais plusieurs choses en même temps, j'arrive. Antoine l'aurait fait à ma place. Voilà. Le fait de déplacer les pièces n'a pas ramené de gens. Ben, avec Bertrand, on s'était dit qu'il fallait qu'on trouve des week-ends de dispo, on va C'est ça. Le toujours pas. problème. Et. Ouais. Le problème étant d'avoir des gens disponibles et des gens qui peuvent faire la route. Cette fois, la route, elle est un peu moins longue pour pas mal de Pas gens. de Paris, puis faire du covoiturage, c'est toujours possible. Donc. C'est ça. Oui, quoi. Donc, Il y a Paris pour l'art. Arras, moi je dirais qu'il faut bien compter 2 heures et quelques, 2 heures. Ouais, 2 heures, en fait. Ouais, il y a peu de temps, c'est à peu près 2 heures, voire moins. Ouais, ça prend pas de ce que tu parles. C'est bon. C'est à peu près ce que je fais en train chaque jour pour aller au boulot. Ouais. Pour info. Donc comme quoi c'est faisable. C'est faisable. Faut pas. Sur 3 week-ends, Bertrand il l'estimait à peu près 3 week-ends, mais il faut peut-être un peu plus. Sur. Ouais. Mais sur quelques week-ends, voilà, pour venir, c'est faisable, moi je trouve. Donc ça nous prouve un peu plus que et on le savait. Quand les gens disaient qu'il faudrait que le travail soit un peu plus proche de Paris, ben c'était une excuse. Et maintenant les gens disent plus ah je suis trop loin, ils disent plus rien du tout. Voilà, c'est un flop. On parlera après de qu'est-ce qu'on va en faire. On verra, il faut qu'on s'organise. Quelle heure est-il? Et 20, c'est pas mal. Je suis encore à peu près dans les temps. Nous sommes efficaces. Je suis efficace. Quoi d'autre comme flop? Moi je trouve qu'il y a des choses qui ont pris beaucoup de temps. C'est jamais de la faute de personne, mais voilà, on a Antoine qui nous a dit plusieurs fois je vais m'y remettre, c'est bon, je vais avoir du temps, puis du coup ça marchait pas. D'un autre côté, Antoine il est en train de construire une maison avec Laetitia. À la limite, je préfère que les gens disent, je l'avais déjà dit, dites vos vraies disponibilités. Si vous pouvez pas, vous pouvez pas. Voilà. Parce que je comprends qu'il y ait quand même la motivation, quand même l'envie, et moi je suis 100 fois dans ça aussi. Mais des fois on n'a pas le temps. Puis autant dire, de façon générale, j'ai pas le temps, je m'en occuperai pas. Et peut-être par un éclair de disponibilité, tout d'un coup vous faites un truc et c'est cool. Plutôt que le contraire, parce que moi j'attends du coup sur des gens et ça vient pas. Et par exemple pour le plastique, ben, du coup j'ai fait des recherches pendant 2-3 semaines, puis j'ai fini par trouver ce plastique.
Mais Antoine, il s'est arrêté dans ses recherches depuis quelques mois. Et donc, on a perdu du temps là-dessus. C'est un exemple. Je pense, Julien, il faisait les ailettes et les glyphes, ça a pris aussi beaucoup de temps. Mais Julien est en train de mettre en place son activité. Et maintenant qu'il est un peu plus libre, il est beaucoup plus actif. Donc voilà, de nouveau, dans l'ensemble, ça a manqué, mais il y a des raisons toujours. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui se sont mal passées? Ben, en soi, les travaux pour finir les segments, c'était compliqué. On a de nouveau pas eu vraiment d'aide. Si je ne me trompe pas, on m'en a demandé. Et on a eu personne de nouveau. On a construit un atelier dans la maison avec des produits toxiques, mais on a vérifié qu'ils soient bien hermétiques. Mais d'un autre côté, c'était quand même du bricolage, donc il y a quand même un certain danger. Donc on a été obligé de faire ça parce qu'il fait froid dehors et qu'on pouvait pas le faire à l'extérieur. C'était foireux, ça nous a demandé beaucoup d'énergie. Mais on l'a fait, on a pu être sur Twitch, c'était chouette. Donc voilà, les flops, c'est jamais des choses où on va revenir dessus en disant c'est la merde, ça fait chier et c'est terrible. C'est des choses qui marchent un peu moins bien que les autres. La structure, c'était bien. Et puis ben on a eu pas mal de possibilités ratées de se lancer sur un ou plusieurs conventions, expos, salons, parce que on proposait un prix qui disait c'était un peu cher et que du fait qu'on n'ait pas la Stargate construite, je pense que ça convainc moins. Et moi j'étais tout le temps à dire si ça se trouve on l'aura pas, mais si on l'a pas on aura un stand pour présenter des choses. Et vous ne devrez pas l'argent évidemment de la location, mais du coup ils étaient un peu frileux évidemment face à ce genre de discours, mais que je voulais réaliste, ce qui est normal. Donc voilà, je pense que c'est à peu près le gros de la chose, sans parler du forum qu'on a commencé il y a peu de temps, mais là il y a d'autres raisons aussi qui font qu'ils se lancent pas, parce qu'on n'a pas vraiment fait la pub. Est-ce que vous voyez d'autres choses qu'on a fait qui sont peut-être un peu moins bien passées? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis? Parce que si vous êtes tout à fait en désaccord avec ce que je dis en disant mais j'ai travaillé comme un malade sur le chevron qui bouge. Pas de réponse, bonne réponse. Les flops, l'engagement des membres, donc ça, ben, ça va un peu avec ce que je viens de dire. Ça commence à revenir un peu parce que ça va être l'été, parce que les gens ils ont peut-être un peu plus de temps. Donc il y a eu un engagement sur quelques mois qui était plus efficace, notamment je pense Julien et Bertrand et Franck. Fanny, parce que ben Bertrand il a fait son modèle 3D du début à la fin. Yes, donc Alex se propose pour streamer avec plaisir. Avec plaisir. Ah, mais tu me vois sur Twitch. Ok, Alex, on en reparle juste après. Donc Bertrand a fait son modèle 3D, il travaille d'arrache-pied dessus, il n'a pas arrêté de travailler dessus, il continue à travailler dessus. On a des plans pour ce modèle, faire d'autres choses avec aussi, j'en ai pas parlé. On verra après si on en parle. Fanny, elle m'aide toujours évidemment. Julien, il a fait ses tirages. Il avait dit qu'il le faisait un peu plus tôt, mais il l'a fait finalement. Donc il y a eu ce moment où il était un peu plus disponible. Alex, il m'a aidé sur la structure. Et de façon générale, quand c'était possible, ben voilà, on a eu des aides avec parcimonie de Guillaume, par exemple, qui est venu chercher les pièces, c'était encore cette année d'ailleurs où il est venu faire un peu des travaux avec nous. Donc, voilà, c'est chouette. Non, c'était pas des travaux du coup, c'était vraiment venu chercher juste les pièces, parce que tu passais par là. Donc, ben maintenant, ça marche un peu. Si on garde ce rythme, on a une chance.
Si les gens sont disponibles à venir jusqu'ici pour travailler sur cet été, pour faire de la peinture, des trucs comme ça, ben, ça peut marcher. Si on est comme sur les deux tiers, trois quarts de l'année pratiquement, quand même, de non-activité, ça ne marchera pas. Et on n'arrivera jamais au bout, vraiment. Parce que là, c'était une année de un quart d'année, en fait, pour les ONG, sur 365 jours. Donc c'est pas un super bon bilan au niveau de l'activité. Et de nouveau, il y a évidemment des raisons, mais faut être réaliste. Vraiment. Ok. Donc ben ça, on en reparlera après. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Qu'est-ce qu'on va mettre en place? Qu'est-ce qu'on s'engagerait à faire chacun pour faire avancer le chemin bli 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 bli. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur cet engagement des membres? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis? Non. Je suis d'accord. On dirait une classe de gens punis, tu sais. C'était pas très très bien. Peut-être ils pleurent, ils ont coupé leur micro. Ils n'en peuvent plus. Ils sont outrés par ce que je dis. Ouais, ou ils sont endormis. Nickel. Aime la page, on a encore des gens qui like. C'est jamais très joyeux de faire un bilan comme ça. Ça veut pas dire qu'on n'est pas en train de faire quelque chose d'incroyable. Hein. C'est le cas. Depuis 8 ans, on fait quelque chose d'incroyable. Depuis 8 ans, on construit une porte des étoiles. Et même si j'ai donné énormément dedans. Tous les gens qui sont autour, ben, on n'aurait pas pu le faire sans. Donc, c'est aussi extraordinaire. Vous avez tous des incroyables capacités à faire des trucs. Quand je vois ce que fait Bertrand, je suis toujours soufflé. J'attends comme ça en disant « Ah, j'espère qu'il va m'envoyer une photo, c'est trop cool !» Toutes les connaissances que Julien a pu acquérir ces dernières années, c'est lui qui va me donner la plupart des conseils qu'il peut parce que il met beaucoup plus de temps dans apprendre ce genre de choses pour son activité future, donc du coup il y a toujours un bon conseil, un suivi pour commander du matos, etc. Il y a toujours de l'aide, on est motivé, hein, mais là je parle de timing et de faire des choses numéraire en gros parce qu'il n'y a jamais personne qui a dit je vous crache à la gueule et puis j'ai pas envie de faire, ça me fait chier. C'est plus je mets des priorités ailleurs et du coup ben il n'y a pas la possibilité de je les ai kill. Ils osent plus parler. Vous engueule pas. Ça sonnait comme si j'étais dans le milieu ? Non. Vous êtes des gens gentils, vous êtes des gens formidables. Travaillez plus. Je vais acheter des fouets. Dis une atrocité qui répond des feux. J'apprécie les feux, c'est vrai. Ah, Guillaume, il a tout coupé. Bertrand, tu m'entends? Moi, je vois pas ton truc qui s'allume, en fait. Bah, il s'allume quand je parle, en fait. Vocal connecté... Non, moi, je vois pas qu'il s'allume. En fait, on les a perdus depuis une demi-heure. Personne s'est dit you. Ça veut dire quoi, you? Peut-être qu'on ne demande plus, et c'est pour ça que... Voilà. Je vais essayer de raccrocher et de revenir. J'arrive. Allô? Lui, on entend, mais est-ce que lui, il nous entend? Ah, c'est bon, c'est revenu. Il nous entend? Ok, je suis sorti du salon et je suis revenu et puis ça remarche. C'est bon, tu nous entends? Ouais, je vous entends. Ah,
Qu'est-ce que vous avez dit pendant une demi-heure là où je parlais tout seul? Alors on a abandonné. On revient? Qu'est-ce que vous avez dit? Faites un résumé. Alors moi j'ai dit j'étais d'accord avec toi quand je m'en dis quand on était d'accord. C'est pas plein de trucs ça. Ça fait un. C'est à l'image de l'engagement annuel des MG. J'ai fait plein de trucs. J'en peux plus. C'est un sujet auquel on viendra. Présentation des comptes. Non, c'est pas ça. D'accord. Si, ben voilà, on peut reparler de mon engagement, que nous avons fini le sujet qui fâche. En 2016, j'ai dit qu'en 2017, j'arrêtais. Hey, il est toujours là, du coup. C'est pas tout à fait ça. En 2015, j'ai dit, je peux encore tenir jusqu'en 2016, après je vais être sur ma réserve. Bon, ça va alors. Je vous déteste. J'avais posé une réserve de 1 an en disant je peux pas continuer comme ça, ça me bouffe ma vie, je suis en permanence. En fait, tout ce qui n'est pas fait par les autres, je le fais. Genre, j'ouvre un forum, genre, des trucs qui prennent des heures, des jours. Je suis pratiquement à 30% en fait sur les OMG et je suis pas payé. Ça me bouffe une partie énorme de mon lien avec l'humanité, on va dire. Parce que voilà, je suis pas tout à fait social, je préfère rester chez moi et avancer sur les OMG plutôt que de sortir. Enfin, c'est compliqué. Parce qu'avec les autres choses qui me demandent énormément de temps aussi. Le fait que je puisse pas, et ça c'est ce qui me demande le plus de temps, le fait que je puisse pas souffler un peu, ça me bouffe beaucoup trop de temps. Du coup, c'est embêtant. Du coup, en 2016 et 2017, j'étais un peu en disant, j'en peux plus, mais je continue, puis j'espère que d'ici 2017 on a fini. Puis en 2017, j'ai dit c'est mort en fait, c'est un constat d'échec total pour moi parce qu'on n'a pas réussi à finir et que le seul moteur qui faisait qu'on allait réussir à finir ou pas, c'est parce que moi j'étais en train de dessiner la structure et moi je suis en train de chercher actuellement des gens pour la construire. Si j'ai pas d'autre aide là-dessus, on va se retrouver en 2024 et on l'aura pas fini. Du coup, 2017 c'était déjà foutu et 2018 maintenant on attaque. Et moi je pensais que ça irait parce que pour moi on aurait déjà. Ce que j'avais dit c'était si début 2018. Non, si. Si début 2018, donc pas l'AG, mais en janvier, on n'a pas posé un premier point de suture sur cette structure, j'abandonne. Du coup on l'a pas fait. Après, tu sais, construire la structure, c'est pas le plus chiant, c'est la dessiner. C'est pas le plus chiant, c'est juste qu'on n'a pas d'argent. Oui, voilà, c'est ça, c'est maintenant qu'il faut trouver de l'argent. On n'a pas d'argent. Donc, soit il faut trouver 100 000 euros, soit il faut que vous essayiez de trouver. Donc, Franck, oui, il a des contacts, mais tout le monde. Un type qui est assez professionnel pour pouvoir construire un truc qui tienne. Mais qu'il nous le fasse à un prix correct. Correct. À un sous-prix. Parce qu'il est trop motif, parce qu'il trouve le projet trop cool. Ou parce qu'il travaille au black. Je m'en fous. Voilà. Donc, ça, c'est un truc important à savoir, quoi. Et là, cette fois, si on arrive en 2019 et qu'on n'a pas fait cette putain de Stargate, la prochaine réunion, la prochaine AG, ce sera une AG extraordinaire parce qu'elle ne sera pas en mars, elle sera en janvier. Ça sera au revoir les gens, démerdez-vous. Et moi, tout seul, je vendrai les morceaux de Stargate, sauf si quelqu'un reprend et devient président des OMG. Je peux pas. Je peux pas continuer comme ça, c'est pas possible. Ah, c'est bientôt la fin là, faut pas abandonner. C'est ce qu'ils ont dit en 2015.
C'est ce qu'ils ont dit en 2015. Je ne vous crois plus. Qu'est-ce que 2 ans à l'échelle de l'humanité? Qu'est-ce que... Face à 2 millions d'années. Je ne vous crois plus. Mensonge, traîtrise. Moi, je suis sûr qu'en 2019, je serai encore là et puis je dirai, ah non, ça va plus, en 2020, j'arrête. Je vais vous faire travailler pour de faux. On va faire par segment, comme ça, cet été. On va construire les choses par segment. Et comme ça, si on arrête en 2010, je peux les vendre tels quels. Ils seront peints sur un segment en bois, comme ça. Je dirais, ouais, ouais, on en a besoin pour la suite. Puis après, si on n'arrive pas, on les vend. Ok. Voilà, sachez-le. Il y a un timing maintenant, et c'est un vrai compte à rebours jusqu'en 2019. D'ailleurs, il y a un vrai compte à rebours actuellement qui tourne sur internet et qui est dépassé depuis janvier. J'avais fait un compte à rebours en disant que d'ici 2018, il fallait avoir posé ce point de suture. Quel compte à rebours? Bon, je suis sûr que je le retrouve dans la conversation. Il y a un vrai compte à rebours qui dit « Quentin, il se tire en 2018 ». Non, parce que là, pour le coup, on gagne du temps parce que le compte à rebours continue. Vous déteste. Les deux. Le compte à rebours, il va dans l'autre sens, je pense. Ouais, c'est ça. C'est oui. Plus du moins, machin, c'est du plus comme ça. Donc, ouais, on a jamais plus de temps, toi. Ouais, c'est infini. Ouais. C'est génial. Qu'est-ce que je vais faire avec cette équipe? Ok, c'est fait. Présentation des comptes et rapport du vérificateur aux comptes. C'est Fanny. Non. Elle est là. Salut. Il faut que tu prennes les comptes sur ton ordi. Si tu veux qu'ils aient une idée de à quoi ça ressemble, sinon. Sur le Drive ? Ouais, sur le Drive. T'avais fait un fichier. Non. Récapitulatif ? Non. Nickel ! Non, je voulais le faire et j'ai oublié. Voilà. Ces gens qui font leur travail, c'est incroyable, n'est-ce pas ? Voilà. Non, je me suis dit il y a 10 minutes que j'avais oublié quelque chose mais que j'arrivais pas à me souvenir de ce que c'était. Voilà, je crois que. Que j'ai trouvé. Compte. Oui, mais j'ai un merveilleux rapport du vérificateur au compte. Pour dire que la compta était bien cette année. Ouais, mais il manque les pinceaux. Il manque les pinceaux. Mais quand je retrouverai le ticket pour les pinceaux, je le mettrai dans la compta d'année. Ouais, c'est fou du ticket. Hein. Voilà. Vous avez l'air d'être sérieux niveau compta. Oui. Non, c'est sérieux, c'est juste que j'ai pas fait de feuille récapitulative pour vous dire combien on a dépensé cette année, mais Quentin là est ouais, en train de chercher sur pourquoi, le. Hein. Quentin est en train de chercher sur le drive et il va vous donner ça tout de suite. Mise à jour en cours. Bonjour aussi. Voilà. Alors ça c'est la compta. Alors c'est elle qui va le dire. Ouais, mais en fait tu peux l'avoir sur mon ordi aussi. Ça peut être intéressant. Bon, alors on attend qu'elle l'ouvre sur l'ordinateur. Ça, c'est une compta des OMG. Voilà. C'est le chiffre que vous voyez ici. C'est le chiffre qui fâche. Alors vas-y, moi j'essaie de te suivre sur le fichier. Sauf si, d'ailleurs, si t'es sur le fichier sur le drive, tu peux déplacer ton curseur. Et puis tu peux cliquer en disant ça, c'est ça, puis du coup on le verra. Mais j'y suis pas encore. Voilà. T'es sous 2017 et tout le monde ? Oui. Ok. Alors, cette année, c'est chouette parce qu'on a eu plein d'argent qui est rentré. Vous entendez Fanny ou pas ? Ouais. Vous m'entendez, super. Donc je disais, cette année, c'est chouette. On a eu plein d'argent qui est rentré, soit via des dons, soit parce qu'on a vendu des morceaux de porte. Plein d'argent. On a plein d'argent. Alors, ça ne rembourse pas 40 000 balles, on est d'accord, mais... mais c'est déjà ça. Hein ? C'est déjà oui. Ça. C'est déjà ça. Donc, c'est combien le budget actuellement peut-être ? Alors, bon, le total. Attends, on va y venir. Alors, en fait, la compta. Fais les choses dans l'ordre. La compta des OMG, c'est pas une compta habituelle, dans le sens où c'est ce qu'on appelle une compta à perte. C'est-à-dire que tu comptes tout l'argent que tu dépenses. Rends l'argent. Rends l'argent, monsieur Fillon. En définissant que la source à laquelle tu t'abreuves, entre guillemets, pour donner l'argent, elle est pas dans la compta. En fait, on utilise l'argent de Quentin, c'est lui qui donne des sous, et la compta, c'est un peu tout ce qu'on devra rembourser à Quentin à la fin, dans l'idée. D'accord. Donc, le merveilleux total qu'on a tout en bas dans le report caisse 2016, qui doit être dans le tableau de la caisse, donc celui-là,
Parce que vous voyez, donc on arrive à moins 41 000 quelque chose. Putain, t'as mis 41 000 balles, t'as pas, je crois pas. 41 655. Et il manque des choses, évidemment. Et il manque des choses, parce évidemment. Que au fur et à mesure, en 8 ans, on a perdu des tickets, etc. Donc on est... Donc au début de l'année, on était à moins 38 000 quelque chose, et là on est à moins 40 000 quelque chose, donc c'est une année où on a moins dépensé que les autres, parce qu'on a effectivement eu besoin de moins de matières premières, vu que les tirages étaient pratiquement tous finis. Je crois qu'on a racheté du matos pour les alettes, surtout. Ouais, j'ai filé plein d'argent à Lulien. Ouais, voilà. J'étais pas content, à chaque fois il me disait « Ouais, il faut juste 500 balles. » Voilà. « J'ai pas une banque !» Voilà. Et du coup, c'est tout. Est-ce que vous avez des questions C'est tout. Ouais. Mais combien on a dépensé cette année? Ah, c'est pas dit. Mais il faut compter. Mais non, c'est dans le total de cette année. Oui. 2687. Donc on a dépensé environ 3000 balles, ce qui est rien. Enfin, ce qui est pas énormément par rapport à l'année dernière. On avait dépensé 10 000 de plus. Oui, c'est ça. Voilà. Donc c'est pas mal. Pour une association qui devrait générer de l'argent en louant des Stargate à coût de 5000 balles... Ça va. Normalement, ça va. Voilà. Mais là, si tu prends un Season Desist. Là, ah, ouais. Là, tu peux revendre les bouts de Stargate. Ouais. Et peut-être que tu te referas un peu, mais non. Faut savoir que, du coup, 41 000 à coût de 5000 en plus en location, si on imagine que chaque année, on se fait louer la porte 4-5 fois... Par les événements, hein, l'événementiel, parce qu'en théorie, pour les particuliers, ça sera moitié prix. Ce qui est énorme comme discount, mais à mon avis, on pourra jamais la louer si on fait pas ce prix-là. À coût de 5000, voilà, il faut 5, 10, 4, 2 fois 4, 8, il faut 8 locations. Ouais. Plus parce que tu auras encore la structure. Plus la structure qui va coûter minimum 10 000, 6 000, 20 000. Et voilà, il y a de l'argent qui est drainé de façon générale en continu après, parce que oui, il va falloir payer un stockage qui est pas si cher que ça, mais c'est quand même genre 100 euros par mois. Donc ça, c'est quand même quelque chose, ça fait un budget de 2200 euros par an. Voilà, ce qui est pas mal. Il y a les réparations, et si possible, si c'est la joie, l'amour, les papillons, ouais, faire d'autres choses. Bah, la porte fera des trucs tout là. Mais c'est qu'on a mis avec la porte, on pourra même stocker sur d'autres planètes, ça coûterait moins cher. N'importe quoi. Ouais. Donc voilà, ouais. Donc imagine, tu passes de 41 000 à 60 000, parce qu'il y a 20 000 au moins de structure, évidemment. Et ça, donc tu arrives à 60 000, donc tu dis x2, ça fait 12 locations, ça fait au moins 3 ans de location. Si on est réaliste et qu'on se dit qu'on va pas être loué par la façon générale tout le temps. En sachant que... quand... C'est pas beaucoup 5 locations, toi, par exemple. Non, c'est pas beaucoup, vrai. Mais faut être réaliste. Tu vois, t'as pas que des conventions en France, hein, Espagne, mais... Angleterre, Allemagne... Non, mais tu dis oui... Parce que le transport, ça va être galère, mais... Faut pas déconner, hein. ils vont pas forcément mettre 5000 balles plus les prix du transport, tout ça, nous faire venir chaque année. Pas chaque année, mais une année. Bah ouais. Donc du coup, si t'en chopes 10 la première année, et puis qu'après pendant 2 ans t'en as plus, c'est pareil. T'en as 5 à peu près par année. C'est pour ça que j'évalue à peu près, et j'évalue évidemment à la baisse sans inclure les particuliers. Mais il faut aussi se dire qu'à chaque fois qu'on va devoir monter la Stargate, on va devoir être au moins 5. Ouais. On va devoir être 5 en sachant qu'il faudra 2 conducteurs, à mon avis, au minimum. Si ce n'est 3, hein, peut-être 3 camionnettes. C'est peut-être pas obligé d'avoir que des personnes qui connaissent exactement la Stargate, parce que tu vas avoir un mec qui sait comment la monter, et puis c'est après, il fera des bras aussi. Ouais, mais il me faut au moins une personne qui connaît par cœur la Stargate, donc ça veut dire... Bah, j'allais dire moi et Julien, mais en fait une fois qu'elle est montée, c'est la technique, donc en fait c'est Franck aussi, par exemple, si t'as capté comment ça marche, tu pourras le faire. Après moi j'ai un rapport particulier, donc il y a de nouveau une discussion qu'on devrait avoir pour voir si je suis salarié à ce niveau-là, parce que je perds trop d'argent, mais ça c'est une autre discussion.
Tour de parole, oui, donc c'est mécanique, c'est technique. Évidemment, il faut une personne qui sait, les autres qui font, mais il faut des conducteurs. La caméra, elle est plus sur toi, c'est une... Ouais. Moi, j'ai fini. Ah non, bah, t'es plus près de sa caméra. Oui, très bien. Comme ça, on va finir avec Donc, on parlera d'argent après. Tu peux faire tous les mariages dans ta région déjà. Bah ouais. Quelle bonne idée. Mais à coup de 2005 plutôt que 5000, je sais pas. Bah ça dépend. Par exemple, imagine que c'est à 10 bandes de chez toi, tu vois. Même si c'est pas 2005, si c'est 1005, tu te fais un billet. Ça te rembourse déjà. Ouais, mais il faut 5 personnes et puis 2 conducteurs de nouveau. La famille. Ouais, je peux engager ma famille à coup de 10 fois par an, le des tarifs. Voilà, ici on a un je sais plus. Le rapport du vérificateur au compte, ici présent, qui dit ah j'ai vérifié les comptes, c'est bien. Ils sont corrects. Voilà. Et qui dit que en tant que rapport que vérificateur au compte, eh ben, on nous décharge. On décharge Fanny de sa compta. Le vérificateur au compte qu'a signé, c'est pas les vérificateurs au compte qu'on avait élus. Ouais. Donc je vais faire voter l'AG pour s'ils sont d'accord pour ce changement déjà. Ouais. À la base, ça devait être Orion. Qu'on n'a même pas tenté de contacter parce qu'on s'est dit que ça allait être la merde et que comme on l'a pas vu depuis une année, on s'est dit que oula. Suivi en deuxième place par Maya, qui est la sœur de Fanny, qui avait vérifié. Joli. J'en peux plus. 2019. Me tire. Qui avait vérifié les comptes, qui avait dit ah ouais mais ça va c'est tranquille, je peux le faire la prochaine fois. Puis du coup ben, là je pense que c'était aussi compliqué. Donc finalement c'est la maman de Fanny qui a vérifié les comptes, qui est une personne assidue, qui a pu vérifier les choses correctement, qui est tout à fait concrète dans ce qu'elle fait. Qui fait déjà ça pour d'autres associations aussi. Ouais. Ça va, donc déjà premièrement je veux faire voter l'AG moins Fanny, savoir est-ce que vous êtes d'accord avec cette décision. Là tu dis oui. Hein? Là tu dis oui. D'accord. Ou pas, tu peux dire non aussi. Mais dis quelque chose. Qui? Tout le monde, comme c'est un vote. Tu peux dire que tu n'as pas compris et qu'il faut recommencer l'explication. Oui. J'aime tout. Franck, t'es membre ou pas en fait? Bah non, je crois pas. D'accord, Franck ne peut pas voter. Je suis un immigré, j'ai pas le droit de voter. Mexicain! C'est une office là comme association? Oui. Et Julien a rien dit. Ah bah oui! Merci Julien. Oui, l'association est tout à fait officielle. En Suisse, pour monter une association, il faut 3 personnes pour constituer le comité, faire une assemblée générale constitutive, ouais. Puis prendre un PV. Et ensuite, il faut faire une assemblée générale par année. Et à ce moment-là, tu es officiellement une association en Suisse. À but non lucratif. C'est ça. Contrairement à un aujourd'hui, puis je marche. Voilà. On avance. Tu peux lancer une asso comme tu veux et ça te permet de récolter des dons, ça te permet de ne pas payer de taxes sur ces dons, etc. Mais si un jour on se fait 1 million par année d'entrée et qu'on les dépense pas, eh ben on devra se déclarer et payer 500 balles pour se déclarer et payer des frais. Pour vérifier la compta par un professionnel chaque année. Mais ça ne risque pas d'arriver. Non. Mais ça ne risque pas d'arriver, mais on devra peut-être se déclarer quand même. Décharger la compta. Ok, maintenant on vote pour décharger la personne qui a fait la compta ainsi que le vérificateur au compte. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Là tu dis oui. 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 Non, Franck, tu votes pas, toi. Ah, mais j'ai pas le droit, moi.
Mais c'est pas grave, il peut donner son avis. Mais tu peux donner ton avis, tu as le droit. Je pense que c'est bien, oui. J'ai rien compris, mais ça a l'air pas mal. Ok, la suite. Donc, officiellement, là, ils sont... On a voté. Oui. Laisse-moi tranquille. T'as oublié le... Attends. Non, mais après, dans ton PV, t'as oublié un truc. Dans mon PV, j'ai oublié un truc par rapport à l'ordre du jour. Ouais. C'est une élection du nouveau comité des vérificateurs au compte, et t'as élection du nouveau comité, et t'as pas les vérificateurs au compte. Oui. Mais c'est pas grave, on l'aura vu. Ok, blablabla, les comptes FMEJ. Donc on clôt la première partie de l'AG qui était présentée, qu'est-ce qu'on a fait cette année, c'est fait. Élection du nouveau comité et des vérificateurs au compte. Ça c'est génial parce qu'Antoine n'étant pas là, on peut pas savoir s'il est de nouveau. On s'en fout, il n'y aura pas de secrétaire. Élection du nouveau comité. Est-ce que quelqu'un veut se présenter au comité? À savoir être soit président, soit secrétaire. Soit trésorier, soit autre chose. Soit emmerdeur, vous voulez? Non. C'est pas un poste officiel, mais on peut le créer maintenant, si vraiment t'y tiens. En sachant que, moi, ce que j'aimerais, c'est que les gens qui s'inscrivent au comité, ils aient réellement envie de se donner dans l'association plus que la moyenne des ONG. Alors, j'ai déjà deux associations à côté, ça va être difficile. Voilà. Alors, je propose. C'est le temps et les choses. Je propose déjà Fanny et moi, donc moi comme président et Fanny comme trésorière, ça changera pas grand chose. Jusqu'en 2019. De toute façon, personne n'a dit ça. Quand il est en couple, c'est pareil, elle peut être présidente ou trésorière, ça s'y verra pas. Non, mais Quentin, il aime pas faire la trésorerie, donc. Mais oui. Je peux pas faire trésorier et président tout seul. Hein. Si, tu peux faire un comité. Non, on peut être deux. Sauf si quelqu'un a envie de faire la compta à ma place, hein, ça me va aussi. D'accord. Bande de salauds. Faudrait faire la compta genre en récupérant les tickets petit à petit en fait. Ouais, tu les envoies par la poste. Non, genre toi tu peux les récupérer. Ah oui. Quand on revient de la roi-mère, hein, tu récupères les tickets. Ouais. Plutôt que de les laisser dans un sac en plastique. Sinon, tu peux trouver une trésorière qui est mieux. Mais quoi, qui est mieux? Who cares? Ouais, voilà, exactement. Et du coup, secrétaire, t'as dit? Non, ce sera webmaster et ça sera. Très bien. Bertrand. Ok? Parce que Bertrand est la troisième personne qui fait le plus dans l'association actuellement. Même si vous ne le voyez pas. Julien, non? Julien, tu vas être dans le comité, tu es disponible cette année? Je sais pas. Donc je préfère ne m'abstenir pour le moment. T'as toujours autant de projets avec Stéphane ou il y a un peu moins de choses que d'habitude? Toujours. D'accord. Je me dis, il y a tellement de trucs, il y aura toujours des trucs à faire. Bertrand, est-ce que... Non, mais j'ai d'autres trucs après de mon côté à faire, du coup. Bah oui. Il n'y a pas que ça. Bertrand, est-ce que tu es d'accord d'être... Bah, tu étais déjà webmaster l'année dernière, ça n'a pas changé grand-chose. Ouais. Ok. Puis bah, Antoine, il sera secrétaire s'il veut. Mais cette année, il aurait dû être secrétaire, mais il n'a rien géré du tout. Comme ceux d'avant. Du coup, on va pas mettre de secrétaire cette année. Ok, quelles sont les promesses de ce comité? Faire des trucs. Ouais. Bah non, faut le voter. Oui. Ah mais tu... Ah bah, je propose. Donc tu veux pas comme Macron, tu proposes ton programme électoral avant d'essayer de te faire élire. Oui. C'est bien, bravo. Un point pour toi. En l'air, là. Oh, la chienne. Non mais il a dit que son programme électoral c'était de faire des trucs. Hein, pour... Ah. Ah bon, il a dit ça? Ah oui. Bon. Il dit faire des trucs. Maintenant, il peut développer. Les Suisses vivent plus ce qui se passe en France que les Français. Oui. Parce que nous, on est à l'extérieur, c'est plus facile.
Ouais, Henri regarde, ouais, c'est pas nous. Moi, je suis allé voter, hein. Je ne dirai pas qui. Faire la structure. Finir la porte. C'était un merveilleux bruit de porte, ça. Oui. Oui. On a fini la porte. Vous avez entendu? Enfin, le caveau fait un peu différent, mais oui. Bon, non, à part, voilà, bah, c'est pour que ça soit officiel, mais en gros, finir la porte des étoiles avant 2019, mais c'est débile parce que je m'auto-mets comme obligation de finir la porte, et d'un autre côté, je dis si l'association finit pas la porte, je me tire. Donc, voilà. Finir la porte, développer l'association au-delà de projet Stargate 1.1. Si tant est que on vote cette volonté. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce comité? Dites oui ou non. Non, moi je la porte doit être finie pour juillet. Pour la Paris Bonne Gueule. Non, soyez sérieux, on n'a plus le temps, on arrive à 20h et on est censé passer encore sur quelques points. Non, c'est bon. Oui. Ok. On va prendre ça pour vous. De toute façon, ils sont deux à pouvoir voter. Bah oui. Parce que le comité ne peut pas s'élire soi-même. C'est bête. Ouais. Donc on a deux oui et un. Je trouve que c'est une bonne idée. Ok, ça c'est fait. Présentation d'engagement du comité, c'est fait. Projection sur 2018-2019. Donc c'est la fin. Enfin, en gros, c'est le dernier gros truc à discuter. Puis ensuite, un parti officieux, c'est-à-dire on en a encore pour 1h30 à peu près. On parlera du projet Stargate et comment on s'organise aussi. Donc, projection sur la suite. Les trois éléments que j'ai mis ici, c'est élargir les buts de l'association. Ça veut dire qu'actuellement, on va pouvoir voter un changement des statuts. Et après, il va falloir que je change vraiment. Pas comme la dernière fois. Événement auquel l'association sera et sera pas présente, et le forum aussi. Après le reste, c'est de l'organisation pour le projet Stargate, dont le site internet, on en parlera aussi, pas dans l'AG. Élargir les buts de l'association. Jusque-là, on est des gens qui se sont réunis autour du projet Stargate, parce qu'on était fan de Stargate ou pas, et qu'on avait envie de construire une Stargate. C'est quoi? J'en veux plus. Encore une idée à la con. Ensuite, on s'est aperçu que quand même, il y avait pas mal de gens qui, au-delà de Stargate, s'intéressaient pas mal à tout ce qui était props, décor, construction, et à la fois voilà, faire des trucs en 3D, faire des trucs avec plein de techniques différentes. Donc, principalement, moi et Julien, Bertrand pas mal aussi. Donc la question c'est, est-ce que les autres membres de l'association, ils veulent suivre l'association dans son développement? Et est-ce que, enfin les autres, est-ce que l'ensemble des membres de l'association, dont ceux que je les ai cités, s'intéressent à faire marcher et développer une association plus loin que juste construire une porte des étoiles, c'est-à-dire construire d'autres choses, mais aussi promouvoir cette passion, trouver des solutions pour aider les amateurs et professionnels qui font ça, enfin, voilà, principalement en Suisse et en France. En francophonie, on va dire. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de suivre sur cette voie? Carrément. Oui. Alors on a Franck, Bertrand, ok. Fanny. C'est l'idée du forum, en fait. C'est pas que le forum, ça va plus loin que ça, mais ça va sur les stands pendant les événements, ça va sur construire probablement un atelier participatif, ce genre de choses. C'est vrai que le forum, tu vois, ça peut être une plateforme, on va dire, ouverte à plusieurs univers. Les gens pourront venir se sourcer en français, quoi. Parce que je peux comprendre que pour les gens qui parlent pas bien anglais, aller sur RPF, c'est pas forcément facile. C'est ça. Tandis qu'ils viennent là, tu peux apprendre des techniques sur le moulage, tu peux apprendre des techniques sur je sais pas, la 3D. Voilà. Il y aurait ça, il y a le fait de créer des vidéos aussi, par exemple, avec des tutoriels, des constructions, des work in progress, etc.
Ça va prendre du temps avant de se lancer, c'est compliqué, il faut avoir les gens qui ont envie de suivre, notamment les gens qui sont capables de filmer, ou alors être capable d'apprendre à éditer soi-même les vidéos, les trucs. D'accord. Le but, évidemment, au-delà de ça, c'est d'avoir une plateforme pour que les gens puissent se faire connaître et travailler professionnellement, ou alors avoir un minimum de revenus par rapport à cette activité. Parce que c'est une activité qui demande beaucoup d'argent souvent, et le faire juste pour le fun, à part si t'as un boulot qui t'apporte vraiment plein de fric et que t'as toi-même ton atelier, c'est compliqué. Ouais. Moi, à part l'atelier de la mairie de Paris, j'ai pas grand-chose. Ouais, c'est ça. Donc c'est s'offrir la possibilité, peut-être, à travers cette association, d'ouvrir un atelier ou en tout cas de se promouvoir. Et donc, ben voilà, si Julien il utilise les EMG qui ont une base de fans pour présenter des vidéos qu'il fait, par exemple, de trucs qu'il construit, et qu'ensuite, du coup, il a des clients, et ben c'est cool, et c'est fait aussi pour ça. Je suis pas forcément sûr que sur la page des EMG il faille vendre des trucs, mais ce sera là pour promouvoir. Julien a disparu, nickel. Julien est revenu. Il nous entendait plus, en fait. Ok. Donc, on a un Franck qui est intéressé, mec qui est pas membre, mais c'est pas grave, il va suivre l'association, il va s'inscrire bientôt. J'ai marre de faire. Fanny qui est nue. De quoi? Ça t'intéresse? Oui. Mais tu construis pas de preuves. Non. Et alors? Fais comme Nancy, tu veux juste faire la compta. Oui. Non, c'est pas vrai, Nancy, tu fais des GM. Oui. Voilà. Non, mais c'est vraiment ouais, de manière réaliste et de manière autonome pour ta personne, ça t'intéresse. Bah moi j'ai même déjà fait du cosplay, mais... Ouais. Ça devrait s'ouvrir au cosplay au-delà du props. Parce qu'on fait aussi du props dans le cosplay, parce qu'on fait des armures, parce que, etc. Et donc du coup, l'idée c'est d'élargir aussi au cosplay. Fais Berthe, des armes. fait des armes en mousse, Eugène. Oui. Grandeur nature, faire des objets pour du grandeur nature, c'est intéressant aussi. On a construit une baliste, mais qui n'est pas dangereuse, ben, c'est intéressant aussi. Une catapulte. C'est une catapulte, une baliste. Non, pas vrai. C'est pas la même chose. C'est une catapulte à flèche. Bon, Bertrand a dit oui. Guillaume, est-ce que ça t'intéresse ou t'es juste fan de Stargate? Bah, moi, de toute façon, si je reste dans la sauce, c'est surtout pour s'occuper des sorties de la Stargate. Je t'avoue, moi, pour l'instant, niveau franchise, je suis plus Stargate Star. Tout dépendra de ce qui va être fait par la suite. Ok. Donc, de toute façon, tant que la Stargate n'est pas finie, puis tant qu'il y aura des moyens de la louer, ben, je serai toujours là pour aider. Et après, ça peut être des projets personnels aussi, Tout des à fait, hobbies. ouais. L'idée, c'est ouais, d'être un accueil, quoi, un espèce comme ça qui accueille des projets perso aussi. Ben, Si pour t'es le coup, c'est membre. vrai qu'à côté, moi, ce que je pourrais te faire, c'est avec Proxy Memorabilia, c'est de créer d'autres décors, pareil pour des salons ou des fan teams, des décors Stargate. Plus simple, genre comme ce qu'on un peu la si vous visualisez un peu la 520, la RL ou même, on va dire, la BCD, là, Ouais. juste des décors qui se mettent en place, à l'intérieur de soit de vaisseaux, soit de SGC. T'es à la RL, audio? Moi, je suis à RL, ouais. Ah, bah, je suis sur le forum aussi. Je suis à la 500 en bon bénéfice. Ok, bah moi, sincèrement, j'y rentre. Ah, bah, c'est cool. Ok, bah voilà, dans Donc l'idée. voilà, ça, j'ai dépensé, c'est ce que j'ai en cours, c'est un projet de décor SGC, c'est ce que j'ai actuellement en cours pour la propre mobilière, donc voilà. Alors pour la forme, j'en avais déjà parlé l'année dernière. Ce que je m'imagine, ça serait ben, de base sur Internet déjà avoir une plateforme pour promouvoir ce qu'on fait de manière voilà, autonome, hein. Pas forcément des ventes de nouveau. C'est voilà, j'ai construit ça, c'est cool, voilà un work in progress. Si possible, effectivement, montrer des techniques et essayer de partager ce qu'on fait plutôt que de garder précieusement ces techniques pour soi. Et juste montrer les choses qu'on vend. L'idée, c'est pas vraiment de la vente, mais de dire j'ai fait ça, c'est cool. Puis ensuite, vous pouvez aller sur ma page perso si vous voulez suivre. L'autre chose, c'est effectivement d'avoir ce forum et de le développer pour que ça devienne un espèce de RPF francophone, parce que tout le monde n'est pas forcément anglophone et surtout. Pour tout ce qui est importer des matières ou trouver des matériaux qu'on peut utiliser dans nos régions, c'est vraiment très différent par rapport aux discussions sur les forums en Amérique.
Donc ça, c'est intéressant d'avoir ces discussions sur un forum français et de partager une autre manière de bosser. Moi, ce que j'aimerais, c'est que dans l'association, on garde un projet central. Donc on développe, si possible, des choses par année. Un projet qui peut se faire en un an. Chaque fois, donc plus petit. En un an, tu crois que c'est possible, hein? Ça dépend du projet. Ça dépend à quel point on a envie de faire du précis. Ben oui, c'est possible. Mais cette fois, on n'ira pas acheter vraiment les objets, on n'ira pas. On fera des répliques comme on veut. Et voilà, l'idée c'est ça. Comme on peut. Donc voilà, chacun ses projets perso, des groupements qui font des choses à gauche à droite, un groupement Starriette par exemple avec Guillaume, l'idée pour faire des décors, etc. Et puis ensuite on discutera autour de ça comment sont utilisés les fonds de l'association. Ça risque d'être un peu plus compliqué. Mais un projet central, les fonds seront principalement utilisés pour promouvoir et avoir un projet central, je pense. Comme on a fait jusqu'à maintenant. Julien, t'as pas dit si t'étais intéressé? Bah si. Bah si. Hein. Et ça t'intéresse de te donner aussi pour ça et puis voir ce qu'on peut en faire? Yep. Ok. Alors, il va falloir commencer à poster sur le forum. Quel forum? On va parler après. D'accord. Si vous avez des créations, il faut les poster, hein, parce que ça faut attirer le monde comme ça. Ouais, on va parler du forum après. On finit, on a déjà dépassé l'heure, mais on arrive tranquillement. On va voter pour changer les buts de l'association, en sachant qu'en théorie, l'association est censée essayer d'atteindre ses buts chaque année. Donc si on commence à dire développer, machin, etc., ça va nous faire en plus de la Stargate. Mais la Stargate et le forum, c'est déjà la définition de ce qu'on va mettre dans les buts. Donc on peut déjà les faire voter comme ça. Et l'association sera prête à faire un pas de plus en avant vers d'autres choses. Et se présenter en tant qu'association qui fait des choses générales en plus de la Stargate, à mon avis, ça apportera aussi pas mal d'intérêt. Par contre, la page Facebook, je suis pas sûr, peut-être que ça restera le projet SG, puis on ouvrira une autre page, on verra. Oh, puis on va changer les noms, de toute façon. Ouais, tout à fait. Donc on va voir. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui bouge à ce niveau-là. J'avais proposé dans le PV de l'année dernière, tu l'as sous les yeux ou pas? Pas le vôtre. Tu l'as pas. Une définition des nouveaux buts. Actuellement, les buts, c'est réaliser une Stargate grandeur nature. La plus précise possible. Ça, c'est les buts des enfants de MacGyver pour l'instant. Tu les as où je les cherche? Dans le PV de l'AG 2017, tu dis? C'est ça, ouais. Ouais, je l'ai. En gros, la définition va ressembler à promouvoir la construction de props et d'objets de cinéma, séries, BD à travers les régions francophones, si je me trompe pas. France et pays frontaliers. Oui, les régions Europe et francophone. Tu l'as? Ouais, les engagements du comité pour 2017. Non, c'est une proposition. Une proposition. Ben, il y a à finir le projet avant 2018, développer l'association du projet SG quand il sera terminé. Non, il y a vraiment une définition. Ah bon? Okay. Ouais. Alors, moi, j'ai surtout juste un... Ok, futur but de l'association. Motiver et promouvoir la création et la réplique de décors, d'objets, de théâtre, films, séries, etc. Ainsi qu'offrir un espace approprié pour ces travaux. Donc, on va peut-être pas mettre l'espace approprié actuellement. Et le stockage. Donc on va pas... La cotisation risque d'augmenter aussi. Comment ça arrive? Eh bah oui. Moi je dis qu'il faudrait des cotisations pour les anciens membres. Puis les. Voilà. Cotisation spéciale, on ne demande pas les anciens membres. Une cotisation VIP. Alors, voilà, motiver et promouvoir la création, la réalisation et. Non. Motiver et promouvoir la création et la réplique, c'est la même chose en fait. Non, parce qu'on s'ouvre à la création de décors. Est-ce qu'on fait que des répliques ou est-ce qu'on s'ouvre aussi à créer des décors? Les décors, c'est
pas mal entre tout. Okay. Bah, je pense que le problème de créer des décors, c'est pour qui, pourquoi? Bah, ça veut dire filer des coups de main, et puis du coup... Parce que si c'est tu t'espères avoir des théâtres, des trucs de films qui se disent « Ah, non. Un décor, on n'est pas non plus une équipe non, de... » Non, non, on n'est pas des professionnels. Là, les BFX et compagnie, quoi. Justement, l'idée, c'est si on a des... ça veut dire qu'il y a ça veut dire qu'il y a un pool de gens motivés et amateurs qui font des props et des trucs comme ça, et tout d'un coup, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient puis qui dit « Ah ben, on est aussi une association, ou alors on est une petite troupe de théâtre, on a pas de quoi payer des professionnels, mais du coup, pour avoir quelque chose avec une qualité un peu inférieure, et on est d'accord de ça, et on est d'accord que vous fassiez les choses rapidement, on pourrait donner de l'argent à l'association et en échange bah, vous construisez des petits décors ou des petits props ou des trucs comme ça. On pourrait imaginer ça. Je sais pas. Ouais, d'accord, mais ça prend je vais mettre construction plutôt que création. Comme ça, au pire, on dit que construction et réplique c'est pareil. Mais conception. Non. Motiver et promouvoir la construction et la réplique de décors et objets. La réplication plutôt. Non. De théâtre, film, série. BD. Jeux vidéo. Etc. C'est à peu près ça, non? Il y avait un autre truc de quoi vous parlez. Ça donne ça. Donc ça serait les nouveaux buts de l'association. En sachant que le but par définition est illégal. Que la réplique de décors et d'objets de films, bah, c'est illégal. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, du moment qu'il y a cette différence, c'est bon, non? C'est pas ça le truc? Non, c'est pas exactement ça. C'est un peu un mythe, cette différence. En gros, la loi dit pas tout à fait ça. Est-ce qu'on met ça malgré que c'est illégal? Bon, tu me diras, à la base, l'association, le but, c'est créer une réplique de Porte des Étoiles. C'est illégal. C'est illégal aussi. Ah. C'est con. On sait que s'il y a un souci, c'est Quentin qui prend tout. Alors. Ouais. Soudé jusqu'au bout. Vous êtes affreux. Bon, très bien. Bah, si ça vous va, on va voter ces nouveaux buts. C'est là que tu dis oui. 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 Ouais. Ok. Plus de oui que le nécessaire. Les buts sont votés. Reste deux petits points avant qu'on attaque sur le reste. Événement auquel l'association sera ou ne sera pas présente. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose que les OMG soient présents à nouveau sur des événements, même si la Stargate n'est pas terminée? Bah, je pense que surtout que... Non, oui, il faut quand même qu'il y ait un truc qui soit intéressant aussi bien les organes que les gens, c'est-à-dire que le segment original et un segment réplique, ou comme ça, tu vois. Enfin, je pense qu'il faut, je sais pas si ça vous dit, mais quitte à avoir un ou deux mètres de photoshoot, les gens peuvent être pris avec le segment original, tu vois, mettre en valeur le segment, les gens être prêts à côté, tu vois. Enfin, je sais pas, je pense qu'il faut, c'est surtout moi ce que me disaient tous les orgas maintenant, je prends l'exemple de Paris Manga et autres qui me disaient, ils veulent que les gens soient un peu plus actifs, c'est-à-dire qu'il y ait des activités pour eux. Bon, on va pas leur faire du moulage, mais qu'ils puissent être pris en photo, ou qu'ils puissent... On pourrait faire des petits moulages, hein. on a eu... Éventuellement, si tu penses que c'est faisable sans que ça,
ça va être cher à l'assaut, mais que les gens soient actifs et qu'ils puissent repartir avec un souvenir. En l'occurrence, au moins une photo avec la scène originale, ou une réplique, ou tenant un chevron, ou en train de tenir un chevron, enfin, tu vois, tout bêtement, mais... Ouais, mais ça, on peut faire, et... Si on faisait une activité moulage, ben ce serait une fois sur le week-end, pendant une heure ou deux, et puis c'est tout, tu vois. Ouais. Je crois qu'on l'avait imaginé pour, je sais plus, un festival sur le cinéma. Je crois qu'on avait discuté avec Julien. C'est vrai que ça coûte, mais au moins, comme tu disais, que les gens repartent avec quelque chose, c'est avoir des photos, quoi. Avec quelque chose qu'ils n'ont jamais vu, qu'ils n'ont jamais touché, et qu'ils se disent, mais vache, ça vient de la série, c'est ce que... Tu mets une belle photo de la porte du SGC qui dit voilà, c'est moi là. Mmh. En fait, les gens, ben ça, on sait tous, je le rappelle pour ceux qui sont pas forcément, qui ne savent pas forcément, quand les gens leur parlent de props, des studios, ils comprennent pas que c'est vraiment le truc qui ont été dans les studios, ils disent c'est une réplique identique, prise de partie de photo. Enfin voilà, il faut. C'est toujours très compliqué de leur expliquer ça, quoi. C'est pas dans nos mœurs en Europe. Je suis dans le noir depuis une demi-heure. Mm-hmm. Je suis dans le noir et personne ne dit que je suis dans le noir. Allez, je suis pas le noir, c'est plus sombre. Tada. Lumos. Ok. Moi, je trouve intéressant, surtout qu'on va faire de la recherche de fond dans pas longtemps. Si on est présent sur des salons et puis qu'on n'a pas réussi à trouver de l'argent, ça peut être aussi un moyen de faire savoir qu'on cherche encore. Chercher des fans, chercher des membres ou quoi. C'est ça, ça permet de promouvoir. Enfin, et puis c'est toujours un moment sympa, même si ça nous demande de l'énergie. C'est toujours un moment où on peut croiser vraiment les gens, quoi. Bon, ce niveau-là, c'est pas forcément utile. De toute façon, Quentin, il faut se dire, quand, si tu veux postuler pour un event, n'hésite pas à me le dire. Parce que si moi je suis dispo, on peut toujours présenter les dossiers de Proxima Lia et des ONG. Histoire de donner un peu plus de poids, dit à ça, et ça on vous propose les deux en même temps, ça fera un sort un peu plus. Voilà, moi je peux apporter des trucs, même si j'ai pas de stand de propre immobilier, je peux apporter des trucs. Mm-hmm. Faut se serrer les coudes. Parce que toi et Julien, je connais pas trop, donc Guillaume, excuse-moi, tu es propre immobilier, c'est ça? Ouais. Voilà. D'accord, ok, donc tu as un stand parfois sur les conventions, tu exposes. Voilà, ça m'arrive, là je l'ai fait deux, j'ai fait celui d'Avignon et celui de Camocol. Ouais. Là c'est des. Je sais pas si j'en ferai d'autres dans l'année, mais depuis la début d'année. Déjà presque 28 expositions depuis Paris. Tu fais un truc sur Paris, tu me dis, parce que moi j'ai des origines. Sur Paris, moi je suis sur Paris, moi j'habite sur la région parisienne. Mais Paris Manga, j'en fais plus, enfin, c'est plus d'actualité maintenant. Ouais. On en a fait pas mal, on a fait presque, je sais pas, 7 ou 8, hein, Paris Manga. Ils ne veulent plus trop de nous pour l'instant, donc... j'avais fait Comic Expo aussi, j'avais fait Comic Con à Paris. Non, je me fais quand même pas mal. Mais bon, c'est vrai que les salons les plus intéressants, petits salons familiaux, c'est ce qui avait mis ça, quoi. C'est plus intéressant, et même ces genres d'assauts qui sont prêts parfois à défrayer, alors que les gros événements qui disent non, on va pas trop défrayer. C'est la logique. Enfin. Ouais. Ok. Voilà. C'était juste pour dire que je trouverais intéressant quand même qu'on essaye de nouveau activement de se proposer, puis si tout d'un coup on a la porte, ben on la propose aussi, puis on verra quoi. S'ils n'ont pas prévu. Quentin, on a qu'à se faire un budget demi-porte, c'est-à-dire qu'on leur propose d'amener juste une demi-porte, ça se fait deux fois moins cher, et au moins ils ont. Et on peut pas faire des demi-portes, parce que pour faire des demi-portes, il faut soit repayer 500 balles de matos à l'avance, ce qui n'est pas une bonne idée, soit déjà avoir construit la structure, donc du coup, ça n'a pas de sens. Une demi-structure, tu sais, quand tu parles de ça. Mais. Un segment, c'est imaginable, le segment original. Le coup par segment, tu te divises par 9, tu dis voilà, un segment, et la porte, c'est pas. Non, voilà, je pense qu'on peut encore venir sur défraiement avec le segment de la porte, en disant voilà, on a le segment de la porte. Original et une réplique. Et puis voilà.
Donc moi je pense que c'est une bonne chose. Puis si tout d'un coup effectivement on arrive dans la période où on finit la Stargate, eh ben on dira maintenant la Stargate qui est dispo, si vous voulez la louer, ben c'est tant. Si vous n'avez pas prévu dans le budget, ben tant pis, on viendra avec le stand tout seul, et puis les autres, ben, ils sauront dans le futur qu'ils pourront louer la Stargate. Je pense que c'est bien de se remettre à faire, même si ça va nous demander un peu de temps. Antoine, il disait beaucoup, non, mais il faut se concentrer sur la construction. Mais d'un autre côté, la construction, si elle avance pas, elle avance pas. Ça ne nous empêche pas de faire un événement. À part si on travaille comme des malades, puis que tout d'un coup, au milieu, on se dit, ah ben non, mince, il y a cet événement, on aurait pu continuer à mouler un truc, ou à construire la structure. Ce que je doute, à mon avis, c'est bien de refaire la démarche pour chercher des events. Ce que faisait Julien là-bas. Ceci n'est pas un message chez lui. Il dit. Forum, c'est le dernier point avant de clore la partie officielle et d'attaquer plutôt une discussion autour de la Stargate. Forum, c'est le dernier élément dont je voulais parler par rapport à l'association et ses nouveaux buts, du coup. Merveilleux. Du coup, j'ai dépoussiéré le forum des AMG. Je dois encore supprimer une bonne partie des anciens articles, mais principalement qui parlaient de Stargate. Donc, du coup, c'est pas grave, ils sont cantonnés à la partie sur la porte. Le forum, ben, moi j'attendais qu'il soit un peu plus joli pour faire un peu de la pub à gauche à droite, pas pour pas passer pour des abrutis et puis du coup perdre un certain intérêt par une certaine partie de la communauté. C'est plus difficile de revenir à la charge plus tard en disant non, mais maintenant il est mieux qu'en ayant tout de suite un truc un peu clean. Voilà. Du coup, de l'avis de certains, le forum va comme il est, il faut juste changer le fond. Je ne sais pas votre avis à vous là-dessus. Les règles de conduite, tout ça, c'est pas forcément nécessaire tout de suite. J'avais écrit toute une FAQ avec les règles à suivre pour la vente, etc. Pas mal inspiré du RPF, mais légèrement modifié. Le RPF a deux règlements. En réalité, il a le règlement interne au forum avec les ventes, etc. Et il y a un autre règlement sur un site. Plus ou moins membre RPF pour accéder au. Ouais, ça c'est autre chose. Nous, on n'aura pas besoin de membres au début parce qu'on n'a pas de système où les gens peuvent payer pour qu'ils aient accès à tel truc. Donc on va pas s'amuser à faire ça. Non, Au début, ça sera simplement si les gens ont posté assez sur le forum, ont assez participé, ils auront accès à la vente et ils pourront vendre des trucs. Donc ouais, faut refaire une FAQ qui est basée sur non seulement la FAQ forum RPF, mais aussi la FAQ de l'ensemble des sites gérés par la société qui gère le RPF. Qui gère aussi un truc sur Predator, qui gère aussi, etc. En gros, ça dit simplement conduisez-vous correctement, foutez-vous pas de la gueule des autres, puis ensuite, quand vous vendez des trucs, vendez pas ça n'importe comment. Donc, il est encore à développer. Encore des choses qui sont pas possibles de faire, mais ils seraient utilisables comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Mais ça fait chier. Non, c'est juste qu'on a plein de fois été testé. C'est pas vraiment effectivement. Aucune demande de. Bah, le forum sert pas forcément seulement aux AMG. Le forum, c'est une plateforme développée par les AMG, mais dans l'idée que l'ensemble des gens qui sont motivés à faire soit du bricolage, même de façon générale, soit du props-making plus précisément, ils puissent Non, mais trouver des tranquille, infos et non, porter mais des infos. faut pas se dire qu'il faut qu'il prenne son temps d'attaquer, dire qu'effectivement, de temps en temps, on met deux, trois trucs. De temps en temps, on fait un peu de pub si quelqu'un en salon ou autre part pour nous dit tiens, où est-ce que je peux savoir ça et qu'on ait chacun le réflexe de dire tiens, t'as un forum en français qui te propose de faire ça. Là, je pense qu'il faut se dire, c'est petit à petit, il va prendre de la dette. Ouais.
Ok, Effectivement. donc actuellement le forum a une adresse qui sera changée plus tard quand on aura l'adresse du site internet, le futur site internet. Mais en attendant, il a l'adresse qu'il a. Cette adresse, on peut la partager. On va pas faire des cartes de visite pour cette adresse en particulier. Plus tard, quand on aura une adresse définitive, un site définitif, on fera des cartes de visite pour les AMG. Et on fera passer l'info, mais pour le moment c'est pas d'actualité. Donc effectivement, faites passer l'info, faites passer l'adresse du forum. De temps en temps, éventuellement mettre un truc. Moi, je préfère mettre un truc sur les propres originaux. C'est ça. Avec Préférabilia, Julien, lui, il peut faire aussi un post sur Attente Propre. Comme ça, les gens, ils savent ce qui existe en France. Ils peuvent donner des conseils par-ci, par-là, quoi. Ouais. C'est une manière de. Ouais, je pense, ne serait-ce qu'imprimer l'adresse du forum en disant c'est un forum sur les props, le bricolage, tout ça, allez voir à cette adresse-là et le mettre sur un stand, ça peut être cool, si vous faites des stands. Ou l'avoir, voilà, avoir la feuille sur un stand, mais peut-être même cachée si vous voulez pas la montrer directement. Et puis la Ouais, alors montrer moi quand je leur fais quelqu'un juste des vient. petits papiers en cas de visite et les donner. Ouais. Mais je pense que les gens ils peuvent noter, quoi. Comme ça tu t'emmerdes pas, tu sais que je t'ai pas Ils sont répondu. très feignants, ils font toujours sur leur portable avec le bloc-notes. Oui, c'est vrai. Ou mettre un QR code si tu veux, juste pour ça. Mais effectivement, je sais pas, par exemple, Julien, t'as ton work in progress des cristaux, ben ça c'est intéressant comme contenu, je pense. Et ça permet, en théorie, d'avoir un contenu un peu plus détaillé, plus expliqué de ce que tu fais et de ce qu'est voilà, ton activité actuelle. Donc je pense que plus que. Enfin, en adéquation avec ce que tu fais sur Facebook ou de temps en temps tu postes une info en disant voilà j'ai fait ça, ça peut être un plus pour dire et c'est comme ça que je travaille en tant que ouais, professionnellement. Okay. Si jamais, après c'est toi qui vois si tu trouves ça comme une opportunité ou pas. Dans tous les cas, moi je trouve que c'est un contenu intéressant pour le forum qui pourrait attirer des gens et les pousser à aussi poster leur création. Donc comme dit effectivement par Guillaume, je pense que c'est l'affaire de tout le monde de poster de temps en temps, une fois, je sais pas, une fois par mois, déjà c'est beaucoup. Ou alors, de temps en temps, jeter un coup d'œil et aller répondre, ne serait-ce que répondre aux gens qui discutent et créer une discussion. Même si au début ça va paraître un peu pas tout à fait réaliste, parce que ben, je parle avec Franck, mais d'un autre côté je parle aussi continuellement avec Franck, donc du coup ben on dit un truc sur un forum mais à côté je lui dis des trucs. Donc voilà. Le Discord peut-être va aider aussi à ramener des gens sur le forum, parce qu'à partir du Discord peut-être que les gens finiront sur. Genre, tu vois le forum, je ne vois bon, sur le blog, tu disais que petit à petit tu voulais le laisser tomber, c'est ça? Ouais. Moins, en Soit. tout cas, moins le mettre à jour. C'est que Ouais. sur le blog, il n'y a pas le lien du forum, mais là, je regardais sur la page Facebook des ONG, il faudra mettre dans à propos, il faudra mettre le lien du forum quelque part, parce que. Pas faux, ouais. Ok. Bah, tu vois, je me dis, bah, je sais que tu me l'avais envoyé le lien, je sais plus si je l'ai mis Ouais, tu utilises pas où il est. Une fois que tu l'avais mis en favori, mais toi je ne retrouve pas, ils sont tellement pas rangés. Ouais. Faut qu'on puisse rapidement le retrouver. Ouais. Ah oui, non. Ok. Donc, est-ce qu'on se dit, malgré qu'il manque la FAQ, malgré que l'espace vente n'est pas tout à fait prêt, mais il faut poster au moins 20 messages, donc à partir de là. Même Franck, il n'en est pas là, on a le temps de voir venir un peu. Ouais. Attends qu'il y ait un peu de monde, puis hein. Donc voilà, donc est-ce qu'on lance? Le lancer pour moi, ça veut dire en faire de la pub sur des pages qui pourraient être intéressées. Ça Non, veut dire. peut-être attendons qu'il y ait un peu plus d'aventure. Un peu plus de contenu, ouais. Mais il n'y en aura Je pas sais en pas, à fait. mon sens. Lançons deux, trois trucs, lançons deux, trois topics, voyons qu'il y ait 5-6 personnes qui viennent un peu régulièrement, puis D'accord, mais au bout alors. de 2 mois, on voit où est-ce que ça en est, quoi. On avise au moment. Parce que pour moi, il y a deux possibilités. C'est soit le forum se développe parce qu'on en fait la pub et du coup des gens tentent et viennent et postent des trucs. Bah, le problème, c'est que les gens qui vont venir, ils vont rien voir, ils se disent c'est mort, on s'inscrit pas. Pourquoi s'inscrire à un truc où il n'y a rien, quoi.
c'est ça. Bah parce qu'il est tout neuf. Même dans la chambre, qui est la personne qui dit moi j'aimerais bien comprendre sur le truc, sur le moulage, ou tiens, je vais voir ce qu'ils font, il n'y a rien. Ouais, je veux bien, mais alors ça veut dire que si on fait ça, ça veut dire qu'il faut s'engager à poster de temps en temps un truc. C'est à nous de faire un appui, mais là c'est un peu au congo, c'est-à-dire qu'on rencontre quelqu'un qui est intéressé, on en parle lors des salons, machin, YouTube, ou sur Facebook, si quelqu'un, tout bêtement, si quelqu'un sur Facebook dit je suis en train de fabriquer un, je sais pas, je suis en train de fabriquer un ZAT, par exemple, tout bêtement, bah, je dis, bah, écoute, va sur le forum, va voir un temps propre, c'est te expliquer comment faire des trucs, voilà, tu vois ce que je veux dire. Je prends qu'un hasard, mais ouais. Ça va être ça. Dire aussi que c'est une plateforme où les gens ils sont là pour s'entraider, quoi. Mm-hmm. Parce que c'est une bonne. Si tu commences avec de la fibre de verre et de la résine, tu sais pas comment ça marche, on est là pour aider, etc. Parce qu'on connaît par cœur, finalement, ça nous paie pas tant de temps de répondre à un sujet, surtout en français, ouais. En fait, c'est plus rapide qu'en anglais. Je pense qu'on peut le faire. Mais alors ça veut dire que c'est un engagement de la part de tous les membres et qu'on va le faire et que je vais vous courir après pour vous dire de temps en temps poster sur le forum. Très bien. Mais pour l'instant donc on n'en fait pas de la pub. Donc ça laisse un peu plus de temps à Bertrand pour faire le fond du forum. Ou changer le design en entier parce que au cas où on trouverait que c'est quand même trop absurde. C'est bien moi le truc de Batman. Qui est d'accord avec Bertrand? Fanny, ouais. Fanny est d'accord. Fanny, il est seul à avoir levé la main, c'est ça? Ouais, je sais pas, je pense. Oui. Franck, il aime pas. Ah, pourquoi? Qu'est-ce que tu penses du design du forum actuel? Le design? Attends, déjà, s'il s'en souvient pas, c'est pas bon signe. Non, mais c'est bien, lui, il fait la démarche d'aller voir. C'était très beurberie, je pense. L'idée, c'était de changer le fond, qui est dégueulasse. Mais de garder les Batman, parce que ça rappelle un côté un peu vieux jeu, et un côté où on faisait des choses avec pas grand-chose. Donc le but, c'est d'attirer les gens qui font des choses avec pas grand-chose à la base. Qu'ils aient pas peur de se dire, oh putain, les gens, ils ont un niveau qui est là, et moi, je suis là. Et voilà. C'est pas mal, hein. Ok, très bien. Alors, est-ce que quelqu'un veut discuter de quelque chose avant qu'on attaque la partie où on va discuter de la suite des travaux, comment on s'organise, du site internet, la recherche de fonds, du futur de l'association et des futurs projets, mais ça va aller très vite parce qu'on va pas aller très loin. Espace de stockage, oui. Parce que quand on aura des poutres de 4 mètres à ranger dans la maison, ça va être compliqué. Et Kickstarter, crowdfunding, qui est une exclue pour les gens qui regardent l'AG. Personne ne regarde l'AG. Tant pis, ils auront raté. On peut parler sans problème. C'est bon, on est entre nous. On stream, mais on est entre nous. Là, le moment où tu devais parler de comment gagner de l'argent, c'est quand finalement. Oui, ça va rentrer dans le Kickstarter. Ouais, c'est important, je pense. Que ça va aider pas mal pour la suite. Mais comme c'est seulement à propos du projet Stargate et que c'est pas le propos de l'AG, on clôt l'AG maintenant. On va peut-être continuer à streamer, mais on clôt l'AG maintenant. Peut-être qu'on prend quand même des notes sur la suite. Mais je pense que officiellement, on a parlé de ce qu'il fallait parler au niveau officiel. Bien joué, bravo. On a seulement une demi-heure de retard. Moi, je pourrais essayer pour ce que 9 heures max. Hein ? Ok. Alors, parlons d'organisation. Suite et fin des travaux. J'ai mis et fin, et j'ai souligné fin. Hein ? Avec F-A-I-N. Ok. Antoine, je vais prendre des notes moi-même. Ici. Alors, avec Antoine, je dois avoir une réunion pour le chevron. Ça, c'est une chose. Comme il n'est pas là, je le dis. Finir les morceaux.
ceux qui sont vers Paris, donc Julien, Bertrand et Guillaume, qu'est-ce que vous pensez par rapport à au chevron? Bah, il faut juste trouver des week-ends où on est plus dispo, enfin tous, on est au moins deux, ou trois dispo proposés. Dans l'idéal, il faut mettre plus que deux, parce que sinon ça avance pas vraiment. Quand vous allez à Arras, vous allez avec souci. C'est qui? C'est Julien. Moi, en fait, on a perdu Julien. Il revient. Non, le souci, c'est que moi, le problème, c'est que les week-ends, moi, ça commence à être plein, quoi. Parce que Bertrand, quand tu dis qu'il faudrait plus que deux, ça veut dire que toi, plus deux personnes, ça commence à être un groupe suffisant. Ou soit au moins trois, ça peut être mieux. Ouais. Parce qu'il y a des différentes affaires, en fait. Ouais, ouais. Et je suppose, de toute façon, c'est que le week-end, hein, on est d'accord. Ouais, ouais. Bah, ça va être vite fait. Sachant que ça dépend aussi, parce que moi je suis libre. Oui, sans blague. C'est quoi la journée, quoi? Quoi? Je peux pas. Le 15, c'est quoi? Donc, pas. Pas. Répétition. Moi, je te propose. Si tu veux, on peut commencer à se caser des week-ends samedi 30 juin, 1er juillet. Sure. Ah oui, mais moi, si je planifie pas à l'avance, tous mes week-ends se casent entre des répétitions, des concerts. Des journées de formation et autres. Et tournées. D'accord. Donc, je te dis plutôt, on case, ou en tout cas, on met des options qu'on essaie de confirmer le plus vite possible. Voilà. Donc, j'ai regardé, moi, tous les week-ends, j'ai au moins un truc soit le lundi. J'ai pas envie de venir une journée, tu vois, honnêtement. Non, je vais venir au moins deux jours. Au moins deux jours, samedi, dimanche. C'est ça. Ou alors vendredi, samedi, mais toi, tu bosses. Ouais. Mais la question qui se pose aussi au-delà de ça, c'est est-ce que en fait, on ramène pas les chevrons à Genève, puis qu'après, on se fait des semaines de travail, ou pendant une semaine, on fait que du clean. Et tous les chevrons aussi. Hein? Ouais, tout. Les ailettes, tout, on ramène tout. Ouais. Et on se retrouve tous au même endroit et on fait mais que ça, du ponçage. Faut super à l'avance parce qu'on a tous des boulots, tu vas me dire. Faut vous mettre. Voilà. Donc, ah ouais, mais quand je dis semaine de travail, je vois, je sais pas, cet été. Pendant l'été, quoi. Encore, j'ai pas énormément de temps non plus. Moi, le mois de juillet, je suis à Avignon. Donc, je peux proposer, on va dire, ça dépend de moi, mais. Du 30 juin au 14. Ça prend un week-end en compte et début de semaine après. Et en août. En fait, je suis pas dispo. J'ai des dispo en juin. Ouais. J'ai des dispo en mai. Quand est-ce que t'as dispo en juin? J'ai pas mal de dispo. J'ai pas mal de dispo en fait. Tout non, début juin. La semaine du 18. Mai, juin, je suis dispo. Non, justement, la semaine du 18, pas trop parce qu'on fait du matos avec l'autre. Et la semaine du 25? La semaine du 25, je suis disponible du 25 au 29, mais je suis en pleine prépa de camp. Donc c'est plutôt début juin en fait où je suis libre. Début juin, je suis en pas trop de trucs. Enfin bon, après, moi, là, je suis tout seul à parler, hein, les autres. Du 4 au 10. Non, je vais une semaine à deux, quoi. Du 28 au 3, du 28 mai au 3 juin, je suis dispo. Et du 4 au 10. Non, mais mai-juin, pour le coup, c'est mort pour moi, je suis sûr. Je suis encore entre la faculté, le conservatoire, les concerts, les tournées. D'accord. Julien, toi tu peux rien du tout.
Non. C'est clair. Au moins c'est court, mais c'est clair. Donc ça veut dire qu'en gros, ouais, il y a peut-être plus de possibilités du coup que vous vous retrouviez sur des week-ends avec Bertrand. Et moi j'ai peut-être plus de chance en cherchant sur Genève des gens qui peuvent venir filer un coup de main et poncer sur les grosses pièces. Du coup je ferais plus comme ça. Du coup effectivement on garde les chevrons là où ils sont actuellement, ça nous évite de les ramener aussi. En mixant avec Julien les ailettes, quoi. Donc soit Julien ramène les ailettes chez Bertrand, soit Julien trouve aussi des gens pour lui filer un coup de main pour les ailettes. Moi c'est... Pour l'instant c'est pas sûr pour l'atelier là, je t'avais pas parlé quand même. Ouais. C'est en cours donc... J'en sais rien pour le moment. Ouais, il y avait une réflexion à un moment de dire que peut-être on pouvait rapatrier une partie du matos chez enfin, là où Julien était, s'il avait un atelier, pour travailler là-dessus en parallèle et que ça soit plus proche de Paris encore, en fait. Mais c'est la même question. Bertrand ? Ouais ? En plus du week-end, je t'ai proposé du 30 juin, 1er juillet, je peux te proposer le 28-29 juillet. Moi, ça me confirme, mais je peux pas te dire là comme ça. D'accord, non, mais tu le notes et tu essaies de me dire rapidement si ça te fera. Pas de demain. Oui, par écrit, comme ça, c'est vite. Par quoi, Facebook ? Ouais. Donc moi je m'occupe du clean des panneaux et vous vous occupez du clean des chevrons. Ensuite il faudra encore se retrouver pour tout mettre ensemble et faire les peintures. En sachant que les cristaux déjà des chevrons, il y a moyen de faire les peintures de votre côté. Et ça je pense que Julien, ça sera bien qu'il intervienne là-dessus. C'est pas trop complexe, hein, mais c'est juste qu'il faut mettre des couches de vernis noir pour les phares de voiture, et puis derrière il faut mettre du vernis frost qualité bagnole en bombe. Il y a des bombes bicomposants. Du coup, si moi je fais le trajet cet été à Arras, je peux y aller en voiture et au bout d'un moment, tu peux ramener les trucs sur Amiens. Ouais, ça faudra voir au fur et à mesure quoi. Mais question Julien, t'as une voiture maintenant ? Je sais plus si t'avais une voiture avant ou pas. Non, ok. Non, parce que ça m'arrive de temps à autre, même assez de plus en plus régulièrement, de me rendre sur Beauvais, à Crèvecoeur, au nord de Beauvais. Donc voilà, s'il y a des trucs à ramener sur Paris ou à faire le transport de Genève, moi je sais que de temps en temps ça peut m'arriver d'aller sur Beauvais. Donc, peut-être éventuellement faire des tours à Amiens quand t'as pas de voiture pour se rendre. T'es pas obligé de noter de détails. Hein. Ok. Ok, bah, ça sera à voir au fur et à mesure. De nouveau, il faut vraiment que ça se fasse. Parce que si ça se fait pas, bah, on peut pas finir la Stargate. Il faut vraiment, vraiment, vraiment activement se mettre à réfléchir à ça, commencer à poser des rendez-vous. Même essayer de votre côté de trouver des gens, d'essayer de parler à des gens. Ah, t'es fan de Stargate, viens aider, ou t'es un pote à moi, ouais. T'es d'accord de me filer un coup de main. J'ai plusieurs fois, mais je veux pas bouger l'article. Eh ils sont pas assez fans en fait. Ils se disent fans, mais. Non, mais justement, à un moment, on s'en fout qu'ils soient fans. C'est, t'es mon pote, t'es d'accord de me rendre ce service, quoi. Et à un moment, voilà, faut faire marcher un peu ce genre de truc. Je t'en dois une après, mais viens m'aider à poncer des trucs, quoi. Parce qu'il faut que ça se fasse. C'est pas possible que ça se fasse pas. On n'arrivera pas à construire la Stargate si la Stargate n'est pas prête, en fait. Il faut vraiment que ça se fasse. Il faut trouver des gens, il faut vraiment le faire. Et ça, c'est clairement des choses que, en tant que membre et pas moi, vous pouvez faire. Chercher du monde, démarcher, même si vous avez un message à faire passer sur la page Facebook, vous m'envoyez le message et puis je l'envoie. Mais c'est clairement des choses à faire de votre côté. Et que je peux pas moi porter le poids de ça en plus. Donc trouver des gens pour vous filer un coup de main, pour déjà cleaner ces pièces, ça sera déjà pas mal.
C'est un gros boulot, mais c'est l'un des gros boulots que vous devez faire. Du coup, Guillaume, si tu vas à Arras, t'as une bagnole ou quoi? Si je vais à Arras, je peux y aller en bagnole, quitte à faire du covoiturage. Ça, c'est Moi, ça m'intéresse de covoiturer avec toi. Ça, c'est une bonne idée. Utiliser l'argument voiture en disant de toute façon, moi j'y vais, qui m'accompagne? Et ça, je peux le faire passer l'information. Soit on arrive à avoir assez de monde en covoiturage, soit on prend le train. Ouais, voilà, ouais. Je vais pas aller tout seul. Voilà. Faire dormir que deux personnes, par contre. Ouais, ça faut voir aussi. Tu vas pas prendre le troisième dans ton lit, c'est pas. Bah ouais, bah, j'allais dire, dans le cas d'Arson. Faut qu'elle soit jolie, quoi. T'as pas du sol? Genre les gens ils prennent un matelas de sol, un tapis de sol. Un tapis de sol, moi j'ai des matelas gonflables, hein. J'en ai un double et un simple. Okay. Avec ça on peut prendre 3 personnes en plus, quoi. Non, mais c'est pas. C'est pour une nuit, quoi. C'est pas les. Bon, tu me diras si c'est plusieurs week-ends de suite, y a des gens qui vont péter des câbles. Je vais dire, on va là-bas, on va pas en bas. Non, y a le toit de la mairie, j'ai noté. Merci, je joue. Y a l'atelier de la mairie, ouais. Ah ouais, l'atelier de la mairie, ouais. Entre deux foreuses, ouais. En fait, il faut que je leur fasse travailler sans qu'ils sachent ce qu'ils font, tu vois, c'est ça. Voilà. Vous pensez ça, hein, c'est pour le carrefour, c'est pour le. Ah, c'est pour le conservatoire, genre le Bizet, et tout. Voilà. Ok. Pour réparer l'orgue de l'église. Ouais, voilà. Donc. Il y aurait tellement moyen, il y a des plieuses, il y a tout. Ça, c'est une chose. Non, ce que je disais avec le covoiturage, c'est que ça peut être un argument pour que les gens viennent plus facilement en disant on va en bagnole, il nous reste deux places, s'il y a des gens motivés, on part à telle heure, tel endroit, et puis voilà, tu vois. Puis si derrière il y a trop de gens motivés, ben du coup on cherche une autre bagnole. Donc voilà, donc si vous faites cette démarche, n'hésitez pas à me le dire et moi je peux faire passer l'info sur Facebook en disant. Il y a un convoi qui part. Et voilà. Ok, ensuite, on va poutrer les choses qui vont aller vite et on parlera du Kissinta après. Site internet, blog, réseaux sociaux. Le blog, on a dit qu'on l'abandonnait un peu. L'idée, c'était de montrer du work in progress pour les projets centraux des AMG. Ou alors dire. Plus tard, hein, c'est pas grave. Mais voilà, mais ça reviendra plus tard parce que moi j'ai pas le temps. Ce qui reviendra, c'est tout qu'on aura de. Il faudra louer la porte, etc. Exactement. Réseaux sociaux, ben ça va, on est sur les rails, on va pas en parler. Le lien du forum sur Facebook. Voilà. Ouais, parce que moi le forum, je le retrouve juste dans ma barre de recherche. Ok. Ouais. Je note, oui, t'as raison. URL, forum, Facebook. Réfléchis. Réseaux sociaux. Si vous avez du contenu, si vous avez des idées de contenu, vous vous dites tiens, c'est marrant, t'as pas parlé de la structure encore sur Facebook parce qu'on en a pas parlé. Donc ça va me tenir quelques semaines encore parce que je vais pouvoir dire un peu tous les mardis ah, mais regardez sur la structure, on a fait ça. Ça, c'est un morceau de structure. Les gens ils font cool. Voilà. Donc si vous avez des idées de contenu, notamment aussi dans les facts, dites-le moi et notez quelque part qu'il faut y penser parce que moi je vais pas tenir semaine après semaine avec du contenu en continu parce qu'il y a un moment où si on travaille pas, s'il y a rien qui se fait, ben on pourra pas le faire. Bah je sais pas, tu sais un truc là, je regarde le modèle 3D là, les photos du modèle 3D. Le petit dessin du haut de la porte là qu'on trouve très régulièrement sur dans les vaisseaux Goa'uld, sur les trônes Goa'uld. C'est un fait, est-ce que les gens allez-vous remarquer que ce dessin, tu sais, c'est les arches, les deux petits arches. C'est un peu pourri, non? Les gens ils savent, non? Bah, est-ce qu'ils l'ont remarqué? C'est ça la question, c'est juste. Bah, dans les faits, cet arc, hein, il est un peu différent de la porte. C'est l'arc de la question à la porte. Et utilisé sur les caisses de transport Goa'uld, mais pas sur le reste. Mais ici, il est utilisé sur les plinthes des murs et sur les trônes. C'est pas les mêmes formats. Mais c'est les mêmes designs. C'est les mêmes designs, mais c'est pas les mêmes formats. Ce qu'il faut dire, c'est que la porte est censée être ancienne, mais les Goa'uld ont pris le. Que sur le back panel, les arches qui sont sur l'arrière, c'est exactement les mêmes, le même format, le même modèle, qui sur les caisses de transport Goa'uld. D'accord. La différence est subtile, mais il y a une différence. Mais ceux de devant et de derrière sont différents. Ouais, ouais, ceux de devant et derrière sont différents. Sûr. Non. Sur le front panel et le back panel. Par contre, il y a. Ah,
Je n'ai pas en tête, du coup, je pourrais pas. Si je, alors, si je me trompe pas. C'est la conversation de ce Discord, là, les photos de Bertrand. Non, c'est les mêmes. C'est les mêmes, pour moi c'est les mêmes. Et... Oui, mais ce que dit on s'en fout, c'est du détail, mais ce que dit Julien, c'est que c'est les mêmes que sur les caisses de transport, par contre c'est pas les mêmes que sur les trônes. Ouais, ou... Sur les décors, voilà. C'est le même design, mais c'est pas la même source. Bah, en fait, ce qu'il y a sur les caisses Wahoud et sur le back panel, c'est exactement les mêmes. C'est-à-dire, ils ont dû les mouler sur le, dans le moule du back panel et foutre ça après sur, le, sur les caisses. Non, ça, c'est pas possible. Même. Ça, je suis sûr et certain. C'est pas possible parce que c'est droit sur les caisses alors que le back panel il est arrondi. Et voilà, voilà déjà, oui. Elles sont arrondies sur le back panel que les décors c'est, sont droits. Du coup, il y a une légère différence, mais elle est là. Okay. Il y avait. Idée de fact, hein, quand tu en parlais, Quentin, je pense. Que... On est tellement en train de spoiler tout le monde. Il n'y avait pas aussi une petite Stargate, enfin un petit genre back panel, mais sur le canon Jaffa. Sur le canon Jaffa. Exactement. Ça. Et on sait la source de ça ? Parce qu'on n'a pas de mention d'une petite Stargate avec. Est-ce que c'est la mini Stargate de Stéphane ? Non, c'est non, peut-être non. Ça, ouais. Non. Elle fait combien la Stargate de Stéphane ? Je sais pas. Je crois que c'est 1 mètre, 2 mètres. C'est une taille humaine, hein. Et puis les panneaux, ils sont pas gros, hein. Non, c'est... Ah, faudrait que je... Ouais, ça serait intéressant. Ça, c'est intéressant. Regardez sur le canon si c'est un tirage, ou si c'est un truc qui a été fait... Comment... Non, je pense que vu comme c'est précis, je pense plus un tirage, hein, vu la précision des détails. Donc ça doit être sur une Stargate petite, quoi, qui a été utilisée à un moment. C'est possible que ce soit celle de Stéphane, hein. Parce que les morceaux de la Stargate de Stéphane, ils sont petits, hein. Ouais, faudrait comparer. Ok, bon, donc ça c'est fait. Site internet, ça c'est Bertrand qui nous en parle. Hein ? Ouais. Bah, pour l'instant, on a une base qui est faite. Maintenant, en fait, j'ai tout compris, il faut insérer. D'accord. Moi, je ne peux pas m'occuper de tout le contenu. Moi, c'est surtout la mise en page que je vais faire. C'est surtout aux autres membres de fournir ce qu'il y a dedans. Oui. Donc, le site est prêt, plus ou moins, et il faut mettre du contenu. Ouais. Plus ou moins. Voilà, bah, En sachant que ce qui est nécessaire pour le site, ce qu'on voulait nous, c'était que le site soit prêt pour le lancement du Kickstarter, pour apporter plus de crédibilité. L'idée, c'est qu'à ce moment-là, le site il soit rempli avec seulement quelques pages de présentation qui servent juste au projet Stargate, en gros. C'est quoi les OMG ? Le projet Stargate, c'est quoi ? Quelques images de la construction qui vont peut-être un peu plus dans le détail, contrairement à ce qui sera sur le Kickstarter en résumé, et c'est tout. Donc ça, c'est le boulot à faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'occuper de contenu, proposer un contenu, ou est-ce que je m'en occupe ? En théorie, ça serait moi qui le fais, mais j'ai fait tellement de trucs que... Eh bien, Antoine, tu devais me travailler dessus, je crois, sinon. Oui, j'aimerais l'entendre. Ouais. Antoine, on est 5 minutes avant 9h, Bertrand. Ouais, Antoine. Voilà, on a clos l'AG mais on n'a pas élu le vérificateur au compte. Remember. Donc pendant qu'on est tous là, on est censé élire un vérificateur au compte. Ce qui est embêtant, c'est qu'il n'y a personne. Et que. Ah, Brice, il a tout raté. Ah, Brice, t'es pas à Toulouse. Antoine aussi, il a tout raté. Oui. Voilà. Bon, moi, je vais y aller. Ouais. Ben, on discutera du Kickstarter avec d'autres. Oui. Cherche de fonds, future ouais. Association. Ciao. Salut. On a fini, on est rentré. Ok. Et il va pouvoir prendre le relais, non ? Ouais. Tu peux dire à Antoine qu'il peut nous rejoindre ?
Ok, vérificateur au compte, on fait semblant qu'on était en AV. En plus, il y a des preuves, tu sais. On va élire la maman de Fanny, ça ira bien. Est-ce que vous êtes d'accord pour élire la maman de Fanny? Mais les autres membres du comité, ils ne peuvent pas être vérificateurs au compte. Mais puis, je ne vois pas vérifier les comptes, en fait. Ah, ok, d'accord. Ou à part juste dire, ok, c'est bon, mais du coup, ça sera peut-être pas tout à fait réel. Très bien. Sauf si c'est juste, tu m'expliques, tu me dis, ben tu vois, ce numéro-là, il correspond à ce numéro-là, donc c'est bon. Oui, c'est bon. Bon, je peux être vérificateur au compte. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Ok, ça c'est fait. On est fini de rentrer, on n'est pas avec lui, il est dans un hôtel. Je suis hébergé. Ok. Pas de Antoine. D'accord. On parlait de quoi? Site internet. D'accord. Site internet, faut mettre du contenu. Faut créer des pages. Dans la réalité des choses, bah, il faudrait que j'aie 2 minutes où je me concentre et où je fais ça. Et puis voilà. Sachant qu'il y a déjà une apparition de pète et tout. C'est ça. Ah, on a un nouveau membre. C'est Franck. Ouais. On a un nouveau membre. Ouais, il a envoyé ton chèque déjà. Non. Alors, moi je fais partie de toi, c'est rapide. T'as bien raison. D'ailleurs, on avait une nouvelle membre, mais j'ai oublié de lui envoyer les infos de paiement. Ça se passe comment? J'ai pas reçu mail de confirmation. Non, parce que c'est, en fait, c'est manuel. À voir. C'est manuel. Oui, maintenant on a tes informations, on va les vendre. Non, je t'envoie manuellement un mail avec les infos. Ok, site internet c'est fait, suite et fin des travaux c'est fait, recherche de fonds. Est-ce qu'au-delà du Kickstarter, on cherche à des fonds? Orion devait le faire et contacter des gens qui donnent des fonds en Suisse, genre la loterie romande, genre la fondation je sais plus quoi, etc. etc. Et il n'a pas fait. La question c'est, est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait motivé et dispo pour faire de la recherche de fonds? Brice, c'est 30 francs la cotille pour l'instant, enfin 30 euros du coup. Du coup... Personne. Bon, le lien, dans donc je laisse recherche de fonds en suspens. Moi je vais vous laisser. Bye tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci Bertrand. À bientôt. Oui. Si vous avez des questions directement vers moi, vous pouvez envoyer par Messenger et pas de soucis. Bah, je crois qu'on va on refera de toute façon une discussion pour le Kickstarter. Ok, ça c'est fait. Salut. Futur de l'association, on en a parlé. De toute façon, c'est les nouveaux buts d'élargir l'association à making de props, etc. C'est forum, c'est mettre en avant d'autres props makers. Donc ça c'est le futur de l'asso. Futur projet, moi j'avais des idées, mais on va pas en parler maintenant parce que c'est pas d'actualité. Puis comme ça, on peut garder. Les surprises si j'arrive à convaincre les autres membres de l'asso. Donc ça c'est fait. Espace de stockage. Dans la maison de Quentin. Après on parlera du Kickstarter et on se mettra maximum une heure sur le Kickstarter. Moi par contre je ne rentre pas trop tard parce que j'ai encore du boulot à faire pour l'attaque. Je vais écrire de la musique. Oui. Et il ne faudra pas que je tarde trop. Peut-être 30 minutes, de toute façon, on refera effectivement une discussion. Est-ce que juste pour ça? Oui. D'accord. Espace de stockage, mon problème, c'est qu'on va se retrouver avec des poutres métalliques de 4 mètres et je peux pas tout foutre ni dans la maison ni dans le jardin, parce que dans le jardin, elles vont prendre cher, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, Franck? Tu peux pas. Est-ce que les poutres sont galvanisées? Est-ce qu'elles craignent l'humidité, etc.? J'imagine que tu vas les acheter, ce sera de la poutre acier, et puis si tu veux les protéger, il faut que tu les. Que tu mettes dessus tu sais, une peinture anti-corrosive. Ça sera ça. Galvaniser, c'est un procédé qui revient à très cher.
Ouais, ouais, c'est cher, c'est trop cher. Nous, moi je partais vraiment sur peinture protectrice. Parce que, non, tout bêtement, enfin, je sais pas si tu connais les gens autour de chez toi, mais tu vois si t'as pas un paysan qui a un hangar avec un peu de place, et hangar c'est super haut, même si c'est en extérieur, ben voilà, tu déposes des poutres là. Ouais, c'est quand même un endroit hôtel. Oui, mais au moins c'est haut. T'as presque pas besoin de lui dire est-ce que t'es dispo, je peux aller chercher les poutres. C'est vraiment les fermes, ben, c'est un peu tout ouvert, quoi, tu vois. Bah, ça sera humide, mais ça sera pas mouillé, quoi. Voilà. Puis, vu qu'on part du principe. Que ce soit brumeux, ben, t'as quand même deux. Vu qu'on part du principe que la porte devra pouvoir être utilisée en extérieur aussi. Voilà, de toute façon. Il faudra pas qu'elle reste en extérieur. Bah, si tu la montes. On a bien des poutres pour soutenir la porte. Hein. Si on monte la porte en extérieur et qu'elle reste un week-end dehors, elle restera un week-end dehors. Hein. Oui, d'accord, mais elle restera pas un mois dehors. Quoi. Non, mais effectivement, dans une grange, bah, elle va rester indéfiniment dans une grange à l'air. Quoi. Ouais, mais monter, non, démonter, on est d'accord. Oui, démonter, mais ça change rien qu'elle soit montée ou démontée. Et quand tu dis dans une grange. Parce que monter, quand même les forces, ça risque quand même d'abîmer, quoi, avec les forces, le poids, etc. Non. Dans une grange, tu mets pas les parties, par exemple. Enfin, la porte, tu sais, les parties résine, tu vas pas les foutre dans une grange. Si, peut-être. Non, je pensais plus au ça, reste. Ça craint rien, hein, les parties en résine, c'est ce qui craint le moins. Hein. Bah non, mais ce que je veux dire, c'est une grange, tu vois, n'importe quel connard va passer par là, il peut arriver, ah putain, ouais, c'est pas mal, il embarque le truc. Ah, mais tu les couvres, donc on s'en fout. Je pense pas que les gens se tirent avec un bout d'acier. Les segments, ils vont peser, c'était combien? 50 kilos? Plus? 70 kilos, je crois. Je sais plus. Mais quand tu parlais des poutres, c'est les poutres qui permettent de la structure, enfin qui permettent de faire tenir la porte debout, etc. Oui. Mais c'est pas là-dessus qu'il y aura les trucs de résine, l'habillage. Non, on fera pas là-dessus. Non, ouais, mais je pense que la porte en elle-même, les 9 segments de porte, eux, faut trouver un truc un peu plus sécurisé et couvert, mais qui reste en extérieur dans une branche, peut-être. Déjà, tout ce qui a lu, c'est bon, tu t'en fous, hein, ça va pas rouler. Ouais. Mais c'est surtout pour les parties métalliques des grosses poutres. Mais alors, après, si elles sont peintes, tu vois, si tu mets une peinture de type châssis de véhicule, tu vois, anti-corrosion, ouais. Et que c'est dans une grange au sec, normalement ça va aller. Hein. Ouais, je pense que les poutres acier, elles vont finir dans un dépôt, mais ou dans une grange, mais tout ce qui est alu. Tu disais que c'était le plus chiant, quoi. Tout ce qui est alu, de toute façon, on va devoir mettre les parties à résine dessus, donc on va devoir travailler dessus. Donc ça risque de rester à la maison, en fait. Jusqu'à ce qu'on ait fini de les assembler. Puis à ce moment-là, quand on aura fini de les assembler, ça veut dire qu'on sera en mode location, ça veut dire qu'on aura quelques fonds pour possiblement directement louer un espace. Donc en gros, oui, poutres. Donc on cherche un endroit où stocker des poutres. Je peux peut-être même voir avec mon boulot, mais c'est grand quand même. Et donc je dis, on stocke des poutres. Par contre, les parties alu, on les garde chez moi pour pouvoir mettre l'extérieur dessus et le peindre. Je crois que ce sera peut-être peint à l'avance. Bah non, parce qu'il faut mettre les vis. Peut-être on peut faire des raccords. Voilà. Bref. Il y a une grosse question qui reste en suspens aussi, c'est comment on va fixer ces saletés de panneaux sur la structure. Comment fixer les panneaux? Bah, la super bûche. Comme ça. Tu colles un colson et au clic, et puis voilà. Fixer les panneaux. Stockage. Voilà, reste le Kickstarter. C'était dans la série, c'était des vis. Des... Ouais, mais c'était vissé à même l'acier, en fait. Ouais, c'est ça, c'était que t'avais un trou dans l'acier, t'as un boulon, et tu mets la vis sur la porte, mais ils s'en foutaient, quoi. Ouais, mais Franck, il était pas tout à fait pour foutre des trous dans l'alu.
Oui, oui, je trouve ça, ouais, d'accord, ouais. Non, faut qu'un truc qui entoure la vue et qui soit attaché à la porte, quoi. Ouais, plutôt, ouais. Mais il faut être sûr que ce que tu... il faut pas que ça bouge, je veux dire que si j'entre, bon, je dis, je prends l'idée des colsons qui entourent, bah, un problème, c'était à glisser, quoi. Il faut être sûr que ce soit attaché à ces endroits pour que ça reste... Alex, oui, fixer des vis dans la résine, on y a pensé. Le problème, c'est qu'il faut être super précis en fait et que la résine elle bouge. En tout cas, au début, elle va bouger un peu, donc du coup, il faut quelque chose qui puisse être légèrement modifiable. Mmh. Moi, j'étais en train de regarder pour mettre des plaquettes, mais juste à l'endroit où il y a les. Tu sais, il y a les trois. Il y a les trois plaques dans le segment. Je me disais, si on met des petites plaquettes qui dépassent, mais qui sont soudées sur les plaques, ça nous donne un logement où on peut visser. Puis du coup, on aurait ben, six zones où on pourrait mettre des vis métriques. Et on mettrait des plaquettes avec une fente, quoi, où on pourrait déplacer un peu. Même pas, un trou un peu plus large. Puis du coup, ben, ça permet avec une... avec une rondelle de bouger vraiment pas mal, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, c'est ma dernière idée, Franck. Oui, j'ai pas goûté. Qu'est-ce que tu fais? Tu disais quoi, des rondelles avec quoi? Pourquoi on n'a pas fini à Stargate? Parce que... sur le segment, t'as les trois plaques, ok, ouais. Sur ces plaques, on pourrait souder des petites plaquettes avec une fente ou un trou plus large que la vis et du coup aller visser avec des vis métriques dans... Non, tu dis que tu as trois plaques, tu parles des plaques résine. Non, je parle des plaques dans la structure. Je vais prendre... Attends, je vais reprendre les images. Enfin, les tubes, tu peux parler. Oui. Ouais, c'est plus des tubes. Non, les plaques. Les plaques de jonction? Oui. D'accord, on fait bon. Je vais faire un dessin. Là! Allez, je voulais faire des dessins. Voilà. Là, t'as les plaques. S'il n'est pas sur Twitch, il va pas voir. Ah non, je suis pas sur Twitch. Nickel. Donc, les tubes carrés, ils sont reliés à des plaques. Oui, ils sont reliés aux plaques, de jonction. Ouais, ok. Et elles-mêmes sont reliées entre elles via un système qui s'écoule. Oui, sauf celle du milieu. Il y en a une au milieu. Sur ces plaques, si je mets des petites plaquettes carrées, on imagine, qui dépassent. Ouais, ouais, des genres des petites plaques perpendiculaires qui comprendraient que tu serais soudées d'un côté et qui de l'autre côté tu pourrais du coup faire pareil. Pareil que les galets. Ouais, je vois le truc. Ouais. La même chose que les galets, mais du coup, juste ça, avec un trou plus gros. Au lieu d'une fente, je fais un trou. Comme ça, je peux carrément bouger dans l'axe des X et des Y. Ouais. Et voilà. Non, ouais, c'est faisable. Hein. Après, tu peux les souder, ou alors. Ça sera du soudage comme il faut de la vue, hein. C'est pareil. Elle lui a vu. Oui. C'est pas si grave si on rajoute, je sais pas, 200 euros d'alu, même pas pour des petites plaquettes, c'est pas grave. Si ça nous permet de fixer ça. Non, c'est pas grave. Après, moi, c'est surtout aussi au niveau des panneaux, tu vois, si on les perce, je me souviens plus exactement comment était l'original, mais bon, faut pas qu'on arrive et qu'on voit des vis. Bah, l'original est comme ça. Il y a des vis partout. Ouais, mais quand tu regardais la FMI, tu voyais pas les vis. Bah ah non, si. Vous voyez éventuellement avec les close-up, mais... Si, tu les vois. Tu les vois tout le temps. Tu les vois tout le temps. En fait, c'est dès que tu en as vu une, tu les vois toutes. C'est ça, ouais. mais t'es pas attentif, en fait. Du coup... Mais l'idée, c'est en fait qu'à la base, on mette les vis, qu'elles soient sécurisées, on attende que la résine bouge un peu, on les redéforme légèrement s'il faut... Puis là, ouais. Elle aura assez bougé. Donc là, on pourra remastiquer là où il y a les vis. Et puis, ça sera fermé indéfiniment comme ça, quoi. Ou alors, on met une espèce de pâte à modeler, comme ils ont fait dans la série, avec la couleur approximative de la porte. Et tu fous la pâte à modeler sur l'endroit où il y a les vis. Mais ça se casse la gueule souvent.
ça durcit et ça c'est pas taché quoi. Voilà, bref, ça c'était mon idée. Donc ça c'est la dernière chose. Et puis Kickstarter, ben, on va aller très très vite. Je vais vous montrer la page actuelle du Kickstarter sur Twitch. Voilà. Donc. Brice est la seule personne qui va assister à cette exclusivité. Et Alex, mais Alex il savait. Du coup. Une manière de chercher des fonds, c'est de lancer un Kickstarter. Ça, je l'explique plutôt pour les gens qui regardent. L'idée, c'est de le lancer principalement en anglais pour toucher un plus large public, mais d'avoir aussi une traduction en français hébergée sur le site des AMG, donc une copie. Voilà, il est préparé, on a réfléchi à des contreparties, il y a un truc un peu spécial sur cette contrepartie. Il y a pas mal de textes à écrire. Ça aussi, Antoine y avait dit qu'il était motivé, mais il n'avait pas eu tant de temps. Des photos à faire, des choses à développer, des contreparties déjà à présenter avant qu'elles soient créées en grande quantité. La particularité de ce Kickstarter, c'est que on fait un projet qui ne produit pas du matos qu'on peut ensuite donner en contrepartie. Donc il faut trouver des contreparties qui sont pas physiques ou alors qui sont pas chères et que les gens trouvent cool pour pouvoir mettre de l'argent entre 5 euros ou 5 francs et 2500 francs. Ouais, tu voilà. Loues 2500 francs, t'as le droit à quoi? Tu loues la porte. Ah oui, d'accord. Du coup, l'une des solutions qu'on avait trouvées qui plaisait moyen à Fanny, c'était que il se passe en deux temps, sur deux plateformes, ce Kickstarter en guillemets. Il y a les contreparties un peu basiques mais sympas où t'as un petit bloc de réplicateur, où t'as peut-être un glyphe du DHD ou ce genre de choses, des répliques rapides à faire et simples, des t-shirts et puis des choses comme ça. Mais on s'est dit, c'est dommage parce qu'il y a tous ces trucs cool qu'on a envie de vendre par la suite, qui sont des chevrons, qui sont... la porte des étoiles miniature peut-être si on l'a fait, etc., qui sont super mais qu'on peut pas vendre sur le Kickstarter, parce que si on dit super, filez-nous 500 balles pour et vous aurez une mini porte, ben, le problème c'est que sur ces 500 balles on n'obtient pratiquement rien, parce que c'est le prix de construction est tellement énorme qu'on gagne pas énorme. Et donc si le Kickstarter pète et que tout d'un coup waouh, c'est incroyable, on a réussi à avoir 10 000 ou 20 000 balles avec le Kickstarter, ben, si ça se trouve, c'est parce qu'il y a plein de gens qui ont acheté des trucs chers, mais que nous, dans notre poche, il n'y a pas grand chose qui rentre. Parce qu'on a construit ces choses et qu'on a dépensé l'argent pour la résine et comme ça. Ouais. C'est vrai que le Kickstarter, il faut toujours prévoir un budget. Ben, tu as besoin de 10 000, ben, tu mets 15 000 parce que tu as 5 000 euros. Tu fabriques un truc. Le problème, c'est que le coût du projet est tellement haut, et là, pour la structure, on demande 20 000, mais on devrait demander beaucoup plus. Et on va avoir la baisse pour être sûr d'avoir un minimum d'entrée d'argent. On peut pas faire ça. Donc la solution. Après, surtout, il faut se dire, effectivement, si le projet prend une grosse ampleur et qu'on a. Les 20 000 sont aboutis au bout de deux semaines, bah, il faut se dire qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour les nouvelles personnes qui arrivent et qui veulent donner. Ouais. S'il y a possibilité d'avoir 70 000, bah, il faut avoir des lots pour 70 000. Quoi. Petit à petit, peut-être qu'il va faire d'autres trucs. C'est ça, c'est-à-dire Kickstarter, c'est. Mais il n'y a pas de l'eau. Il y a des Kickstarter qui arrivent à 300% de financement. Ouais, mais ils arrivent à 300% en ayant vendu les mêmes contreparties. Oui, mais c'est vraiment qu'il faut en rajouter. Il faut dire, bah, il faudra en rajouter pour après. Tu prends les noobs, ils ont gagné 1 million, hein, les noobs. Hein. Bon, voilà. Oui, mais les contreparties, principalement, c'était vous aurez une photo, vous aurez un truc comme ça, donc ça coûte rien, ouais. Et puis tu peux augmenter les quantités comme tu veux.
Donc c'est pas réaliste de se dire oui, on va rajouter, on va vendre plus de blocs de réplicateurs, on va vendre plus de chevrons, on va vendre plus. C'est pas possible parce qu'on doit les créer derrière ces trucs. C'est pas réaliste. Donc oui, il y a quelques contreparties comme le bouquin avec les glyphes ou les trucs comme ça qu'on peut faire en continu. Mais la seule, pour être réaliste, faut vraiment le plus de choses qu'on peut augmenter la quantité et on s'en fout le nombre. Mais par exemple, si on se retrouve avec énormément de gens qui veulent commander le livre des glyphes, parce qu'il est cool, et ben, au lieu d'avoir du soft cover, on peut passer en hardcover, par exemple. Mais ça, c'est des extended goals, finalement, donc c'est un peu différent. Mais en quantité de contrepartie, on peut pas augmenter les quantités indéfiniment, parce que sinon, ça veut dire qu'il faut qu'on ait des petits chinois qui créent des glyphes de DHD ou des trucs comme ça. Et donc, il y a le Kickstarter d'un côté, et de l'autre côté, l'une des contreparties, en fait, débloque l'accès à un shop. Voilà. Où on pourra vendre des choses, mais qui ne sont pas comptabilisées dans le Kickstarter. Ce qui nous permet d'avoir un Kickstarter où le vrai total, c'est assez proche de ce qu'on est en train de gagner pour la porte. Et quand les gens, on arrivera tranquillement à 10 000, 20 000, eh ben on pourra tous être contents, et puis les gens ils pourront être sûrs qu'on a cet argent, et que cet argent il va être utilisé et qu'on va pouvoir faire la porte. Et à côté, s'ils ont envie, ils pourront acheter du matériel chouette. Ce qui rend pas, ce qui nous pénalise pas en fait dans le Kickstarter. Parce que si les gens ils voient qu'on est à 20 000, ils vont peut-être se dire non, je veux pas donner les 5 francs de plus. Alors qu'en fait, les 100 personnes qui vont se dire ça et qui nous auraient donné 5 francs, ben on aurait gagné 500 francs de plus. Et c'est perdre ces personnes-là. Les ventes de Prof School, tu peux les faire sur le forum aussi, dans les rêves. Hein. On peut le faire sur le forum, ça sera peut-être fait sur le forum, mais l'idée c'était de restreindre l'accès pour que ça soit une contrepartie intéressante aussi. C'est-à-dire que si tu arrives en premier sur le site, il y aura des choses qui seront en quantité limitée. Les glyphes, il y aura que seulement certains glyphes. On va vendre les glyphes actuels. Je reviens à la vidéo. On va vendre les glyphes actuels qu'on avait fait en bois, mais, ouais. mais on va les monter sur des fonds qui ressembleront à la glyph track. Ceux-là, on va les vendre, mais on en a que 39. Donc du coup, ils seront en quantité limitée. Donc l'idée, c'est que si tu as payé la contrepartie à 25 francs pour soutenir le projet et non pas seulement pour... pour la contrepartie, mais vraiment pour soutenir le projet. Tu dis, ah, j'ai filé 25 balles pour soutenir le projet, ça va, c'est honnête, je suis d'accord de filer ces 25 francs. Et ben en contrepartie, tu as accès au shop, et là, tu peux aller en premier acheter les trucs qui sont sur le shop. Il y aura une quantité limitée de choses. Les glyphes, il n'y en aura qu'un de chaque, par exemple. Les mini stargates, il n'y en aura que quelques-unes, etc., etc. Donc c'est un côté où ça donne envie aux gens d'aller dessus. Le flip de Fanny, c'était que les gens ils trouvent ça pas correct. Parce que tu payes pour avoir accès à un shop, tu payes sur le Kickstarter. Ouais, tu payes pour avoir accès au shop, je comprends un peu. Ouais, c'est... Parce qu'il y en a peut-être qui s'en foutent, tu sais, de soutenir le projet, et de juste avoir de l'article. Ils vont venir et ils disent, non, j'aimerais bien avoir un truc, mais j'ai pas envie de faire en plus. Alors, le Kickstarter se suffit à lui-même. Si t'as envie de soutenir le projet, tu soutiens le projet. Si t'as envie d'un objet cool à un prix légèrement plus bas que ce qui sera proposé plus tard et disponible, parce que ben voilà, Julien il est pas capable de faire 120 chevrons, donc il va préparer une dizaine de chevrons peut-être, puis du coup ben si t'as payé les 25 francs, non seulement c'est les 25 francs de rab qui seront ajoutés plus tard à tous les chevrons, toutes les mini SG, tout ça, donc de toute façon t'y gagnes. Et en plus, tu as accès au premier tirage, en fait. Donc après, peut-être que pendant, je sais pas, un an, il n'y aura pas de chevrons en vente. Ouais, c'est vrai. Voilà l'idée, la plus-value. Après, je pense qu'il a attiré quand même pas mal les collectionneurs, tu vois, c'est tout ce qui sera copie des castres qui sont faits sur la porte originale. Ben les
Les chevrons en soi, malgré qu'il y ait une partie qui soit de la réplique, c'est exactement basé. Donc c'est une réplique exacte. Voilà. Donc de toute façon, il n'y aura que des répliques exactes. Et puis, il y a dans les contreparties du Kickstarter, si je ne me trompe pas, on vendra des segments. Je crois qu'il y a trois segments disponibles dans la contrepartie du Kickstarter. Voilà, bon, de toute façon, on en parlera un peu plus. C'était juste pour revenir là-dessus. Donc, si vous avez des idées maintenant, mais c'est pour dire qu'il y a beaucoup de boulot encore sur ce Kickstarter. Faut faire la vidéo, faut faire plein de choses. Cet été, on aura peut-être l'occasion d'avancer un peu sur la vidéo, notamment. Vous avez une équipe pour ça, non? Vous avez pas des idées, vous avez pas des amis pour faire une vidéo et tout? Ouais, mais voilà, l'idée c'était est-ce qu'on part vraiment sur le scénario que j'avais écrit? Est-ce qu'on fait quelque chose de plus simple? Seulement avec la porte en 3D de Bertrand, ce qui est plus simple à tourner aussi, mais qui est moins drôle du coup. Moins représentatif, et l'idée c'est montrer un peu le boulot, quoi. Ah Montrer les serveurs, non, quoi. de toute façon, il y avait l'histoire du trailer, tu sais, où j'avais envie de faire un truc un peu débile. Si tu pars sur le projet que de la porte en 3D, les gens vont dire c'est un projet. Ils ont juste du 3D, quoi. Enfin, pense qu'il est important qu'il y ait un visuel de ce qui a déjà été fait. Oui, mais ça, il y aura de toute façon. Il y aura une vidéo qui présentera avec des plans de coupe, avec tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on a filmé jusqu'ici. Donc ça, de toute façon, il y aura. Ça, c'est la vidéo de présentation. Après, il y a le trailer. Mais la vidéo de présentation en elle-même, oui, on va pouvoir la faire d'ici cet été. Mais il y a un shot que j'aimerais mettre dedans. C'est la Stargate à plat, dans le jardin. Ouais. Et pour faire ça, faut la finir. Donc c'est urgent, en fait. Ça devient urgent de faire ça. Donc voilà, ça c'est Ouais, puis tu. un but important, c'est finir de retaper Mais la donc, même si elle Stargate. n'est pas peinte, on est d'accord, ou peinte aussi? Si, peinte aussi, mais la C'est peinture c'est peinture, pas hein, c'est pas trop. le truc qui va prendre le plus longtemps, puis même si on merde la peinture, on peut la refaire plus tard. Mais On peut toujours en faire un peu Photoshop, puis voilà. Ouais. non, mais j'aurais fait la peinture de fond, c'est juste une couleur, donc j'irai voir un peintre, enfin une société de peinture pour qu'il nous fasse le mélange exact. Je leur amènerai un morceau de la porte en disant faut que ça soit cette couleur. Ça peut Après, il être y a fait. plusieurs peintures différentes, on n'a pas qu'une seule, parce qu'avec tous les. Il y a une qui est plus claire, une foncée, et une gris clair qui est un. Ouais, il y a le gris aussi, mais voilà. Il y a deux couleurs, on est d'accord. Pas tout à fait, il y a un peu des touches un peu Bon, mais argent. de type de peinture, je veux dire de couches, il y en a quoi, il y en a deux, trois. Ouais, il y en a deux. Et Sans vous compter l'avez déjà les les. râles ou pas? Hein? Le râle, vous l'avez déjà ou pas? Non. Ça, tu peux demander. Je pense que c'est si tu demandes à Julien, lui, niveau, il a des appareils qui te permettent d'avoir la bonne couleur. C'est un genre d'appareil photo qui te met carrément Moi, si tu as les photos, j'ai comment ça s'appelle au boulot. En fait, on a des genres de mini-dictionnaires, hein, tu vois, oral. On comprend les couleurs et puis on a toutes les Ouais, mais en couleurs. fait, il faudra pas s'assurer que l'appareil photo puisse prendre les bonnes couleurs, parce que toujours le problème de luminosité, de ceci, cela, donc quand même photographie et tout. Non, mais je vais aller voir une entreprise qui fait de la peinture. Une entreprise pourra me faire le mélange directement. En prenant à partir d'un truc original. Oui? D'accord, donc lui il aura Ah oui, tu l'as matériel. sur l'original, d'accord. Ok. Oui? Oui. En carrosserie, tu as des scanners à couleur. Oui. Bon, voilà. Alex avait des questions sur le Kickstarter. La campagne doit atteindre le premier goal. Oui, on est obligé d'atteindre le niveau pour pouvoir avoir l'argent. Donc, du coup, moi, ce que je prévoyais, c'était 20 000 pour la structure. Du coup, j'ai baissé à 10 000 pour avoir au moins les 10 000 si on les atteint. En réalité, ce qu'il nous faudrait pour la structure, c'est bien plus. Ouais. Mais voilà, on peut pas, en étant réaliste, récolter déjà 10 000 balles, ça va déjà être chaud. Si ça pète et que ça marche bien, super. Mais du coup, Ah, si tu veux avoir plus, ouais, faut mettre des, je sais pas, des chiens à poil dans le clip ou j'en sais rien. voilà. Alors à faire exprès. Ensuite, le livre peut être exclu à la campagne. Oui, le livre des glyphes, il sera exclu à la campagne. Il sera pas vendu au-delà de ça. Juridique, bah non, on peut pas vendre ces objets. Créer la Stargate elle-même, c'est déjà illégal. Donc du coup.
on le vendra, et puis si la MGM nous tombe sur la gueule à ce moment-là, ben, ça sera toujours mieux qu'il nous tombe sur la gueule au moment du Kickstarter plutôt que 6 mois après qu'on ait fini à Stargate. Et puis faire le buzz, bah oui, évidemment, il y a un moment où on va devoir vraiment bien travailler notre approche pour créer un Kickstarter qui pète, avec des vidéos cool, des photos cool, un site internet qui a de la gueule pour que les gens ils se disent que c'est sérieux, des textes qui expliquent tout, que les gens ils voient très très rapidement, ils arrivent à atteindre ce qu'ils veulent et qu'ils aient les réponses à leurs questions, et qu'on ait un système tout près de qui on contacte, quand, comment, qu'est-ce que c'est le message. Il faut préécrire les mails en fait, en contactant un mois à l'avance déjà plein de gens en disant allez, on va lancer un Kickstarter, ça peut être intéressant d'en parler sur votre chaîne YouTube, dans tel truc, dans tel truc, dans tel truc, comme ça ils savent déjà. Une semaine à l'avance, tu leur envoies avec le contenu du Kickstarter, et après le jour même, tu renvoies un mail en disant faut lancer maintenant. Bref, faut pas séduire un YouTuber, faut séduire tous les YouTubers possibles. Enfin, voilà. Il y a plein de trucs à faire, et c'est vraiment un gros, gros, gros boulot, et ça, du coup, va falloir qu'on en discute. Va falloir qu'on en discute ensemble. Voilà, je vais stopper le stream. Et de toute façon, on en est à peu près à la fin. Brice, si t'es encore là, je vais t'envoyer le lien pour l'inscription. Et puis voilà. Donc merci aux gens qui nous ont plus ou moins suivis sur Twitch. voilà, merci à vous d'avoir été présents. J'ai plus de voix, demain j'aurai plus de voix, ça va être terrible. Et on a fait le tour, et donc on se reverra pour, pas sur Twitch, mais on se reverra pour faire un point sur ce Kickstarter assez rapidement. Je pense on va essayer de poser une réunion assez rapidement. J'ai pris note de tout ce qu'on avait à faire. J'espère que vous avez pris note des choses qui étaient importantes et où c'est bien de prendre des initiatives. Et voilà, Kickstarter, on en reparle. Voilà. C'était l'année des AMG, il est 21h30, on a gagné une demi-heure par l'année dernière. Ouh. Allez sur le forum poster des trucs. Bon, poste d'abord le lien du forum et après on le fera. C'est vrai. Il y a quelques personnes qui nous ont rejoint sur Discord, et il y a un endroit sur Discord dans une description où on pourrait mettre l'adresse du forum ou... Bon, je chercherai. Ok, ben merci. Alors déjà, merci à Twitch. Et je vais stopper le streaming. Au revoir, à la prochaine. Du coup, bah très bien. Alex me donne des dates. Il dit du 10 au 13 mai, il fera le stream pour le découpage des glyphes à la CNC. Ça va être chouette parce que du coup, chaque fois, chaque morceau comme ça, vous allez voir avec la machine, il va le faire. Et je pense qu'il pourra faire quelques commentaires aussi, et puis vous donner un peu plus d'infos sur comment ça marche une CNC, ce genre de trucs. Donc du 10 au 13 mai, pour ceux qui sont sur Twitch, il y aura du Twitch, il y aura du stream avec une machine qui fait beaucoup de bruit. Ça va être super. Voilà, Alex a l'air de dire un truc en plus, j'attends. Et ensuite, je stop. Avec l'accent du Sud. Parfait. Ça va être merveilleux. Donc n'hésitez pas sur Twitch à revenir nous suivre, on donnera l'info sur Facebook. Je remettrai le lien du forum aussi un peu partout, donc ça vous pourrez suivre. N'hésitez pas, je vais le remettre là dans la discussion s'il y a des gens sur Twitch qui nous suivent. Et c'est tout. Donc c'est déjà pas mal. Ouais. Je mets le lien du forum. Non, ça n'a pas marché.
Ça n'a pas marché. Attention, magnifique forum avec Batman. Hop. Voilà, le lien du forum. Le lien du forum, le lien du forum. Le lien du forum. Ça y est, ils nous envahissent les canaux du forum. Voilà,